Eh bien, salut à toutes et à tous. Hop, là c'est la bonne scène. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Vraie question, comment allez-vous? Et bah ce soir on fait quelque chose qui n'était pas nécessairement prévu, mais j'avais évidemment envie de le faire parce que comme vous pouvez le voir là, alors... Ah putain merde, ma caméra elle est là. J'étais persuadé qu'elle était genre plus là. Ok, c'est my bad, je n'avais même pas remarqué. Eh bah écoutez, la question que je me posais, du coup, parce que vous l'avez vu, et oui, bah on a des petites cartes Pokémon qu'on va ouvrir, de type pays du Japon évidemment, de la connexion Miracle Stellaire. Alors l'équivalent français je ne sais pas ce que c'est, parce que là c'est Stellar Miracle, quand tu tapes ça sur internet tu trouves direct. Mais du coup la question que je me posais là actuellement c'est est-ce que je fais l'ouverture sur mon tapis de souris Wankil, ou est-ce que je le fais juste sur ma table blanche qui a bien évidemment des trous, parce qu'elle a du vécu, cette table. Et en vrai, je me dis, bah en vrai, pourquoi pas. Genre, j'ai pas grand-chose à faire, normalement, faut juste hic, que je bouge un peu mon Mac. La boîte, je la mets là. Ma souris, hop, elle a... Je prends mon tapis de souris, je le tire. Et voilà, comme ça, problème réglé. Bon, vraie question, comment allez-vous sinon? Ouais, ma souris, je vais la mettre plutôt comme ça. Alors là, je vois... Hop. Voilà, faut que je filme un peu plus dans cette direction. Donc mon tapis, faut que je le mette un peu plus par là. Tac. Alors, faudra probablement que j'inverse la caméra. Ah, voilà, là, en vrai, on est bien. Voilà, mon tapis de souris, il est bien dans le plan. Entièrement, je crois. Ouais, nickel, parfait. Et moi, j'ai mes cartes qui sont là, du coup. Mais je vais probablement inverser la caméra, parce que j'ai pas pensé à le faire. Donc je vais le faire tout de suite. Mais écoutez, comment allez-vous sinon? Eh oui, vraie question, quoi? Eh oui, bah du coup, ce n'était pas prévu, évidemment. Alors je vais juste remettre, hop, en boucle la musique. Évidemment, vous l'avez vu, hein, j'ai mis de la musique de Mario Galaxy. Parce que, bah évidemment, j'ai joué à Mario Galaxy récemment. Et j'ai l'intention d'en faire une belle vidéo de qualité si possible. Évidemment. Et j'aimerais beaucoup que cette vidéo elle soit bien. Bon d'ailleurs faut que j'arrête de regarder là-bas. Vu que la caméra elle est là. Après je suis en train de me poser la question. Est-ce que la caméra je pourrais pas la foutre là? Ouais parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a une espèce de... Bah la lumière. Parce qu'en fait j'ai une lumière qui fait que... là tu le vois. Voilà bizarrement c'est mieux là. Donc en vrai, tant pis si... Hein, quoique, je peux peut-être me démerder. Hop. Putain, non mais vraiment, si vous deviez voir mon setup actuel, là, actuellement... Ah, c'est peut-être mieux l'ouverture comme ça. Ouais, c'est mieux. Mais là, actuellement, mon téléphone, il est posé sur ma lumière. Sur cette lumière, j'ai ma pochette de mon autre téléphone qui est en train de filmer là, qui est mon ancien téléphone et qui me sert de caméra. Et du coup, mon téléphone actuel... Il est posé sur la pochette qui est posée sur la lampe et également sur ma manette de Switch. Eh oui, incroyable. Non, là, le plan, il est bien. Je peux peut-être, hop, monter un peu la lumière. Ah, quoique. Ouais, le problème, c'est pour la caméra. Faudrait que je monte un petit peu mon téléphone aussi, genre s'il était là. Comme ça, ça serait bien. Mais en vrai de vrai, là, j'ai pas de quoi le faire mieux. Donc, à la limite, c'est pas très très grave. Attends, à la limite, ce que je peux faire... D'ailleurs, j'ai pensé à un truc parce que tout à l'heure, j'ai vu une vidéo. Et en vrai, je me dis, est-ce que je me ferais pas Mario Galaxy les yeux bandés? C'est vrai que la caméra, elle est là. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Mais enfin, bref, Wiro, ouverture de booster, ben oui. Comment vas-tu? Ben ça va très bien, merci. La caméra, elle est là. Mais vraie question, c'est comment toi tu vas, bien évidemment. Donc ouais, ouverture de carte, vous l'avez vu sur Discord, et je vais mettre la photo là parce que ça sera très probablement sur YouTube. J'ai reçu des peluches provenant du pays du soleil levant du Japon, évidemment, avec une peluche de Monika, un Maskass, un Kenotor et un Dialga. Sauf qu'actuellement, il n'y a la place pour aucune de ces peluches, donc écoute, derrière, je suis tombé sur ça. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, évidemment, je l'ai pris. Voilà pour l'histoire. Donc on aura 150 cartes dedans pour 30 boosters de 5 cartes chacun.
La seule chose que j'espère, c'est que s'il y a des énergies, que les énergies soient comptées, en... enfin, ne soient pas comptabilisées dans ces 5 cartes par booster. Donc on verra. Les énergies me font peur, je t'avoue, parce que normalement, on a 10 cartes et un booster par... Pardon. On a 10 cartes et une énergie dans les boosters français, normalement. Mais là, je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Tu t'es rasé? Oui, je me suis rasé tout à l'heure, parce que ça commençait à être dégueulasse. Pense à peser les boosters. Ah oui, non, mais là... là, c'est du level trop élevé pour moi. Ah, il y a beaucoup de reflets, quand même. Faudrait que j'essaye de voir comment je fais. Mais déjà, ma caméra, je vais la rotation hop, horizontalement. Comme ça, quand j'ouvre mes boosters, vu que ma caméra, elle est là, c'est comme si je regardais l'écran. D'ailleurs... Ah, il faut que je tourne un peu plus ma caméra comme ça. Vu que je vais ouvrir, je vais être comme ça, je vais être probablement avancé. D'ailleurs, ma souris. Et après, bah du coup, c'est la capture. La vraie capture qu'il faut que je switch. Alors, comment je fais? Retourner verticalement. Ah! Pokémon! Papa! Genre, s'il y a une carte en plus, il coûte giga cher. Alors, lui, il coûte pas si cher. Je l'ai payé 40 euros, je crois. Et même un peu moins, il me semble, c'est 37 euros, mais ça dépend. Parce que c'est du yen traduit en euros. Et vu que le yen est en train de baisser hein, tranquillement. Et bah ça se trouve là actuellement il est moins cher que ce que je l'ai acheté. Mais du coup voilà, ça sort, donc là on est le 10 septembre et en France ça sort le 12 septembre j'ai vu. J'ai vu toute la collection, j'ai vu potentiellement ce qui pourrait m'intéresser. Et j'ai vu qu'au Japon c'était sorti en je crois le 10 juillet un truc comme ça. Non mais si dans un booster t'as une carte en plus même s'il est pas ouvert ça coûte une couille. Ouais on verra. De ce que j'ai vu, la carte la plus qui vaudrait le mieux, c'est évidemment la carte du Pokémon Vedette, qui a trois versions. Une carte X qui est classique, où le Pokémon il saute sur le en premier plan. Une carte alternative, où on le voit de loin et de côté. Et l'équivalent de cette carte, mais en doré. Enfin, en doré. C'est pas une golden card comme il y en a de je sais plus quoi. Mais voilà. Alors, je vais juste aller sur mon Discord en espérant que... Ouais, c'est bon. Parce que j'ai Discord ordinateur d'ouvert pour faire un Discord et un partage de caméra avec mon ordinateur. Et j'en ai un autre de Discord d'ouvert. Bah, c'est mon vrai Discord. Alors, channel Pokémon. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure les cartes qui m'intéressent. Alors, parmi les cartes normales... Bon, je te dirais que toutes les ex, évidemment, m'intéressent. Mais les prioritaires là-dedans, c'est Pyrobut, Locklass et Terrapagos. Et derrière, après, parmi les cartes que j'ai vues que j'aimerais bien avoir, des cartes un peu random, on a Ekaion, Luminéon, Zeraora, Shaofuin et Irfoudre. Et là, dans ce tas, je te dirais priorité à Shaofuin, Ekaion et Luminéon, parce que j'adore Shaofuin. Ekaion et Luminéon, pareil, je les aime beaucoup et j'aime beaucoup leurs cartes. Et à côté, Irfoudre et Zera, c'est parce que je trouve la carte un peu sympa. Mais je me fous un petit peu de Zera et de Irfoudre en soi. Enfin, surtout Irfoudre, Zera, c'est l'un de mes Pokémon préférés quand même de Soleil et Lune. Derrière, les Full Art, donc ça va être le Pokémon qui va prendre toute la carte. On a encore une fois... Non, on n'a pas Pyrobut, on a sa sous-évolution, la Pyro, qui a une très très belle carte en Full Art. Derrière, on a Zeraora, qui a une carte qui est magnifique, et je pense que c'est la carte que je veux le plus. À côté, on a Pondralugon, ingénieur, qu'on se souvient évidemment... sur les DLC numéro 2 de Pokémon Écarlate. Derrière, on a la Full Art de Noirfang, pareil que je trouve très très jolie, qui est en vrai l'une de mes priorités aussi. Bon, après, c'est de la chance, hein. Donc on verra. Et après, les ex-alternatives de Pyrobut, Locklass et Terrapagos, voilà. Et après, bah, y a les Full Art très rares, on va dire, qui, je pense, j'en aurai peut-être 2 ou 3 max sur les 150 cartes qu'on va ouvrir. On a deux formes pour Briard, qui est dans Pokémon Écarlate, du coup. La prof... des DLC, littéralement la prof des DLC qu'on voit le plus dans ces jeux-là. Pomme d'Orochi, qui est l'évolution du Pokémon Pomme Dragon, qui est sorti bah, récemment, et qui est un peu en mode graffiti, un peu Mésopotamie stylé. Et après, évidemment, bah, les deux de Terrapagos alternatives, parce que ces cartes valent de l'argent! Mais après, je dis ça, évidemment, je vais les garder avec moi, ces cartes. Je ne le fais pas pour l'argent. Si j'en ai deux, oui, je les vendrai, mais bon. La probabilité que ça arrive. Oh. Eh ben écoutez,
je pense que on peut partir. Mes mains sont propres, mes mains sont pas propres. Bon. Je vais aller me laver les mains. Imagine, j'ai une carte qui vaut des milliers d'euros. Paf. Alors, bon, putain, mais je dis ça, je touche mon nez qui est gras là. Oh là 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 là. Enfin bref. Bon, j'ai petite musique de fond Mario Galaxy comme j'ai dit. Bon, la question c'est que je n'ai jamais évidemment acheté de, on va dire, de pack de cartes. Bon, en soi c'est faux. J'en ai déjà acheté un, mais il est sous blister et lui pour le coup je sais que je le vendrai dans très longtemps. Qui est le blister, qui est comment ? Je vais appeler ça un bundle avec je sais pas combien de boosters dedans, je crois qu'il y en a 12. De la collection 151, qui est une collection très récente, qui a ressorti vraiment les 151 premiers Pokémon. Et je suis allé en brocante et j'ai vu des gens qui vendaient des cartes comme ça et je les trouvais plutôt chères. Et j'ai parlé à l'un des mecs, mais je lui ai dit ouais, j'ai ça en sous-blister. En vrai, est-ce que tu me conseilles de l'ouvrir et tu penses que c'est plus rentable ou j'attends ? Il m'a dit, attends absolument si t'en as un sous blister, ça vaudra une fortune plus tard. Donc je l'ai écouté. Et la caméra, elle est là. J'ai l'habitude qu'elle soit en haut, la caméra. Bon, mais du coup, voilà, c'est sous blister, donc je n'ai jamais ouvert en soi de pack de cartes. Bon, là... Ah, qu'est-ce qu'ils me disent ? Votre adblock a été mis à jour. Eh, super, tu veux que je te dise quoi ? Eh oui, vu que c'est une capture internet. Tac, hop, voilà. Bon, là je vois qu'il y a des... Bon bah là on le voit totalement là avec le reflet. J'imagine que je dois l'ouvrir par là et qu'après je vais le tirer vers moi. Ah, je vois qu'on peut l'ouvrir ici aussi. Mais attends, mais ça s'ouvre comment ? Écoute, moi le plus logique pour moi, je vois ça. Je vais l'ouvrir là. Donc écoute. Je vais essayer de pas abîmer la boîte parce que en vrai mes cartes en double et tout, j'aimerais bien les foutre là-dedans parce que bah en vrai c'est une boîte qui est jolie quand même. Aïe aïe aïe, je suis en train de déchirer le truc. Ça y est, ça démarre. Oh, c'est le royaume des abeilles là en fond. Je crois qu'il faut juste aller vite. Hein. Ah oui. Fallait juste aller vite. Bon bah vas-y là, le petit morceau, je le retire pour pas qu'il fasse trop moche. Donc là, c'est ouvert. Mais ça sert à quoi, ça, alors? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, papa! Attends, en vrai, oui, vu qu'il y a ma caméra, faut plus que je l'ouvre comme ça. Oh là 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 là. Eh, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Donc, je crois... Ouais, non, je sais pas comment on est censé l'ouvrir. Bon, écoutez, on a nos petits boosters. Donc, c'est littéralement des petits boosters. On a 5 cartes dedans. Oh, putain, c'est fin, hein. Oh là, c'est tellement fin. Bah écoutez, ce qu'on va faire... Hop là. Alors, est-ce que c'est des fausses ? Est-ce qu'il y a le petit TM à côté de Pokémon ? Oui ! Est-ce qu'il y a l'accent en Pokémon ? Oui ! Bon, en vrai, de vrai, j'ai pas trop de doutes. Je pense pas que ce soit des fausses. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui peut faire peur. Mais bon. Voilà, on a notre paquet. Si on regarde de côté... Ça en fait pas mal quand même. Bon, si c'est une vidéo YouTube, c'est que j'ai eu des dingueries d'ailleurs. On verra. Voilà, je mets ma petite boîte à côté. Évidemment, j'ai les sleeves. Hein. De toute façon, j'en ai une belle réserve. Vas-y, je vais le foutre à côté de moi. Ça aussi, les sleeves, je vais les foutre à côté. Et écoutez, je pense que on va y aller. Je vais foutre voilà, tout ça ici. Alors, la vraie question... C'est comment ça s'ouvre ? À chaque fois, je me pose cette question. À chaque fois que j'ouvre des cartes, je ne sais pas comment on ouvre. Surtout que là... À moins que ce soit très pratique, que je doive juste tirer par là.
Ok. Et alors, est-ce que le fait que ce soit des cartes japonaises, derrière c'est comme ça? C'est possible, parce que l'arrière des cartes Pokémon japonaises, je crois que c'est ça. Alors que nous, bah, si je sors un de mes classeurs, l'arrière des cartes Pokémon à nous, c'est ça, tu vois. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si je les foutrais dans ce classeur-là. Donc on verra. Eh ben écoutez, nous avons nos premières cartes. Eh ouais, ça s'ouvre hyper bien. Pratique. Bon alors. Bon, premier booster. Ah bah oui, les Français sont supérieurs, ben je sais forcément. Mais bon, écoutez, on est hyper. Alors on va voir si la carte du dos c'est la plus rare ou pas. Et pour savoir dans quel ordre faudra que je les ouvre. Je pense que la plus rare c'est celle en bas. Eh ben on commence sur un Moumouton. Oh, déjà, je vois que j'ai une carte qui fait des reflets, là. Et ben, on commence sur un Moumouton qui est mon premier Pokémon que j'ai en version Dynamax. En Pokémon Go, vu que je joue à Pokémon Go. Derrière, nous avons un Tick. Voilà, rien d'exceptionnel. J'aime bien, en vrai, si je dois faire un commentaire sur chaque carte. J'aime bien le Moumouton. Je trouve qu'il rend bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Attends, Tick. Ouais, voilà. Comme ça, on les verra un petit peu mieux les cartes quand je veux les montrer. Donc voilà, le petit Moumouton qui est sympa, il est tout mignon. Regarde l'énergie compte dans les 5 cartes. Eh bah écoute, on verra, ça va être la surprise. Derrière, on a un Tick, rien de particulier. Derrière, on a un Patachio. Et écoutez, je ne regarde pas, je mets la carte rare en dernier. Oh! Derrière, on a un petit Diancie. Ils ont mis de type combat vu que le type proche n'existe pas. Donc Patachio, on l'a déjà vu. Et la dernière carte, c'est une quoi ? Je ne sais même pas. Écoutez, nous avons déjà une première carte plutôt sympatoche. Il s'agit de Rock de Fer, qui est la version paradoxe de Terrakium. Et bah sympatoche. Bah j'ai comme l'impression qu'on aura une carte rare par booster, sachant que j'en ai... Il y en a combien déjà? Attends, j'ai 150 cartes. 150 divisé par 5. J'ai 30 boosters. Donc sur 30 boosters, j'aurai à chaque fois une rare, c'est ça que tu veux me dire? Bah écoutez, je sors mes sleeves en avance. Et évidemment que je vais la sleever déjà, celle-là. Vu qu'on commence sur quelque chose de plutôt bien. Je vais la mettre de côté. Et puis voilà, ah, elle me paraît un peu pliée. Ou peut-être que c'est la sleeve qui est pliée. Ouais. Je sais pas, je vais éviter de la pliader dans tous les sens. Ouais, j'ai l'impression que ce sont mes sleeves qui sont pliés en réalité. Ouais, non, pas tant que ça. Bon. Ah, attends, la musique s'est arrêtée? Ah non, c'est juste que on passait à la suivante. Eh ben écoutez, voilà, on démarre bien. Je pense que je sleeverai à la toute fin peut-être du stream mes cartes ouvertes. Donc écoutez, pour l'instant, je les mets de côté. Et voilà, je les sleeverai à la fin. Mais on va sleeve d'abord les cartes un peu rares. Hop, ça en vrai, vous le voulez? En vrai, je l'ai bien, pour une fois, je l'ai bien ouvert, mais c'est pratique. Tu l'ouvres comme un livre. Moi, j'aime bien. Eh ben écoutez, booster suivant. Donc a priori, pas d'énergie. Et ça, bonne nouvelle. Mais du coup, tu dis, les joueurs de cartes... Comment ils ont les énergies alors? Parce que les énergies c'est essentiel quand même pour jouer. Attends, comment je l'ai ouvert avant? C'était pas comme ça? Attends. Mais attends, mais avant je crois que j'y suis juste allé comme ça. Passez une bonne journée. Bon, comment ça s'ouvre? Je sais pas, la... Ah, putain de merde. Je vais mettre ma poubelle à côté de moi. Putain, comment ça s'ouvre? Casse les couilles. Ouais, par là, ça va être plus simple. Ouais, voilà. Bon, tant pis si je le défonce. Bon, alors. Bon, en vrai, les trucs, je vais les foutre à la poubelle à chaque fois.
Alors, du coup. Donc, on a une carte rare. Je vais pas la regarder, je la fous tout derrière. Donc, écoutez, on est tipard. Alors, on a Out-Out. Malheureusement, moi, je veux Noir Fang. Donc, il m'intéresse pas trop, trop. Derrière, on a un petit Rhinocorn. Je regardais, je crois qu'il avait un défaut au niveau de... Bon, on voit pas trop, mais il a une espèce de point sur sa tête. Derrière, on a un petit Flambino. Voilà, sympatoche, mais sans plus. Derrière, on a une trompette. Et la dernière, du coup, qui est une carte un peu rare, comme on peut le voir. Et je crois que c'est une full art. Je crois que c'est Noirfang. Oh putain, let's go! Et ben voilà, l'une des cartes que je souhaitais. Et ben écoutez, ça m'est bien. Noirfang. Noirfang, qui est un Pokémon que j'adorais avant, et qui est évidemment toujours le cas. Mais c'est un Pokémon que j'ai toujours aimé. Et pourtant, je suis pas sûr d'en avoir un dans mon équipe, dans Soul Silver. Je sais pas si je l'ai joué. Et bah écoutez, ouais, j'ai vu cette carte-là et je la trouvais vraiment sympatoche. Et écoutez, c'est confirmé, je la trouve vraiment cool. Et en plus, selon les reflets, tu vois, les yeux, ça fait un truc. Enderibou utilise Psycho. Bref. Eh ben écoutez, je suis content. Par contre, non, c'était pas une impression. Les cartes sont vraiment un petit peu pliées. Donc écoutez, au pire. On verra bien. Eh ben, premier objectif. Première carte qui fait partie des cartes que je souhaitais. Mais de toute façon, si on a une full art ou... Enfin, de toute façon, on aura une reverse à chaque fois. Mais la probabilité se passe comment? Combien j'aurai de full art à la fin? On verra, ça sera la surprise. Eh ben écoutez, trop content pour l'instant. Voilà, on a eu l'une des cartes que je souhaitais. Donc je vous la mets ici. Et ben next. Ouais, je pense que le mieux, c'est d'ouvrir par en bas. Par en bas, ça se retire bien. Mais je vais éviter de plier les cartes. Parce que j'ai l'impression que ça se plie assez facilement. Là, je me demande si le petit cousin de ma petite cousine... qui aime bien les cartes Pokémon, je me demande s'il sera intéressé par des cartes japonaises. Évidemment, j'aurai des doublons. C'est pour ça que je dis ça. Bon alors, encore une fois, du coup, c'est l'avant-dernière qu'il faut mettre... Non, pardon, l'avant-dernière, oui, qu'il faut mettre en dernier. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Shaofuin, qui faisait partie des cartes que je voulais avoir, parmi les cartes normales. Bah écoutez, ça me met giga bien. J'adore Shaofuin. Vraiment, c'est un Pokémon que j'adore. Je trouve qu'il a un flow de dingue, ce Poké. Et je trouvais la carte plutôt sympatoche. Donc écoutez, c'est cool. Je vais me la mettre de côté, elle. Je vais me la sleeve parce qu'elle fait partie des cartes que je souhaitais. Petit Chaglam. J'ai vu que Chaffreux aussi était dans le jeu, donc voilà. Enfin, dans le jeu. Pomme. Pomme truc. Attends, mais il est où le chat? Ah, c'est vrai que je peux le mettre. Je vais le mettre juste après. Pomme. Putain, j'ai oublié son nom. Vert Pomme. Voilà, Vert Pomme. Qui a son évolution, qui est très rare, du coup. Oh, horrible. Alors, c'est comment... C'est Van Gogh. C'est Van Gogh, le peintre, évidemment, qui est derrière ce style artistique. Ça, c'est Fildron qui aimerait bien avoir cette carte. Et la dernière, et les câbles. Donc, on n'a pas forcément de reverse ou quoi à la fin. Donc, c'est une question de probabilité, évidemment. Mais du coup, vu comme je l'ai dit, Shaofuin... Ah, les cartes, elles sont un chouïa pliées. Enfin, je dis elles sont pliées, mais en réalité, elles sont juste arrondies. Bah, en tout cas, en vrai, moi, ça me met bien, parce que j'ai déjà deux des cartes que je voulais. Shaofuin, c'était l'une de mes trois grandes priorités parmi mes cartes normales. Noirfang, je te dirais que c'était ma deuxième priorité parmi les full art. Et après, il y a les full art rares qui sont là, mais qui sont probablement celles qui vaudront le plus sur le marché derrière. Soyez témoin de la censure. Mais en plus, il... Mais attends, mais il est là, le chatbox, en plus. Comment ça se fait? Je l'ai mis. Attends. Ah, mais putain, c'est vrai que sur cette scène, c'est l'ancien chatbox. Du coup, faut que je le réinsère. Attends. Je l'ajoute. Attends, c'est quoi, déjà? Ah oui, cam pour vidéo, voix off. Voilà. Et vas-y, si on parle là... Ok. Voilà, bah je vais mettre le chat bien au-dessus de moi, du coup. Donc ça y est, maintenant, on peut voir ce que vous dites.
Oui, c'est my bad. En fait, c'est juste que cette scène-là, bah, c'est l'une de mes anciennes scènes que je l'ai pas retouchée depuis. Ouais, vas-y, je fais un chouïa à gauche. Encore un peu. Coucou TikTok. Putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, j'y ai pas pensé. C'est vrai que ça peut faire des bons shorts, ça. Alors, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on a eu Noirfang? Noirfang, je l'ai eu récemment. On va dire 20 minutes environ. J'ai Noirfang. Eh ben écoute, après on verra pour les titres. Parce que d'ailleurs, des shorts que je vais arrêter de faire, c'est les shorts du top opening of all time. Parce que c'est des shorts qui m'emmerdent à monter. Vraiment, je n'aime pas du tout faire ces montages-là. Et en plus, c'est des shorts et des TikTok qui ne marchent pas du tout. Surtout des shorts YouTube. Et ça me fait chier de perdre du temps à monter ça alors que ça sert à... Voilà. Mais écoutez, on a déjà deux des cartes que je souhaitais. Alors je vais juste hop, me remettre pour qu'on voie. Voilà, et je vais les mettre. Je vais les inverser vu que Noirfang il est plus important quand même. Donc voilà. Et après, bon, on a Roche. On a Rock de fer, mais bon, lui, je m'en fous. Merde, un petit peu. Mais je l'ai. Je l'ai, c'est bien. On a déjà eu l'une des fameuses priorités. Donc écoutez, on va continuer. Non mais là, il y en a vraiment 30 là? Ah oui. Je pense que oui, il y en a vraiment 30. Et ben next. En vrai, ils prennent de la place. Hein. Je vais peut-être plutôt les foutre à droite, comme ça. Ouais. Bah next. D'ailleurs, j'ai pas pris ma bouteille d'eau, si j'ai besoin de boire à un moment. Oh non, me dis pas que... Ah putain, j'allais dire, là j'essaye de l'ouvrir par en bas et j'y arrive pas. Bon, je sais pas si je les ouvre bien. Mais bon. Je fais de mon mieux, papa. J'essaye de pas les plier aussi pendant que je fais l'ouverture. Donc la dernière, tac. Et on est y part. Alors, pour celui-ci, on a Malamandre. Voilà, rien de plus. Hexadron. Je crois qu'on a aucune carte spéciale là. Ça qui est le fossile pour avoir pas Megapagos, Carapagos, je crois. Larvibule, que j'ai pu faire évoluer tout à l'heure sur Pokémon Go. Et en dernière carte. Et est-ce qu'il y a une espèce de rareté? J'ai pas l'impression. Je crois pas. Alors lui, il s'appelle pas Tristepin, je sais plus comment il s'appelle. Attends, faut juste que je regarde un truc sur les cartes. Ok. Okay. Ouais, non, bah rien de particulier là. Ouais, je pense qu'on aura pas mal de cartes de merde. Je pense que j'ai eu de la chance, surtout que les deux premières cartes que j'ouvre, soit, pardon, Roc de fer qui est une. Ça, c'est une reverse, je crois, hein, ou une holo. Je sais pas c'est quoi une holo et une reverse, j'ai totalement oublié. Mais je crois que ça, c'est une reverse. Mais ouais, j'ai eu de la chance d'en avoir des biens, on va dire, au début. Eh ben écoute, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je sais pas si je vais toutes les sleeves. Je sais même pas si j'ai assez. Ah. Ah, ça va. Il me reste trois paquets. Merde, trois paquets de sleeves comme ça. Oui, je vais toutes les sleeves. Peux me le permettre, j'en ai beaucoup. Hop. Eh ben écoutez, on continue. Du coup, j'aimerais bien trouver des choses. Moi vraiment, j'aimerais au moins pardon, l'un des deux Era Aura que je souhaite. J'aimerais bien avoir une full art rare. Vraiment une full art bonus. Voilà, et évidemment, le best du best, c'est Terrapagos. Zeraora, la full art de Zeraora, ouais. Hein. Alors, comme d'habitude, la dernière, on la fout derrière. Et on est parti avec Crabominable. Bah rien de fou. Crabominable, il a une carte spéciale en plus. Qui est pas folle, je trouve. Ah, je serais très deg d'avoir une full art ou une alternative de Crabominable alors qu'elle est nulle. Guériland. Ah oui. Oui, j'ai vu. On a une carte au moins reverse. Motismac a été dessiné par un enfant, a priori. Statitique qui est tout mignon et la rare
Oh, à chier. Oh, nul à chier. Je dois avoir l'une des pires. Moi, ouais, je crois que c'est des reverse, les holos, c'est un peu plus rare. Ouais, ça doit valoir 50 centimes, max. Mais bon. Moi, je ne suis pas là pour l'argent. Ouais, ça, c'est des cartes que tout le monde a, de toute façon. Bon, bah, écoute, je la mets de côté. Au moins, je vais pas me plaindre, on a une reverse. D'ailleurs, je n'ai aucune idée des comptes. Je sais pas, on est censé avoir combien de cartes rares ou pas. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Déjà, en vrai, bon, tu dis pour 40 euros, ça fait chier d'avoir payé Smurfang 40 euros. Mais je sais pas, je me dis déjà, pour le départ, en vrai, j'ai l'une des cartes que je voulais absolument. L'autre carte que je veux absolument, c'est le Zeraora. Et au moins un Terrapagos quand même. Et n'empêche, ça serait du foutage de gueule qu'il y ait 3 cartes Terrapagos sur cette collection et que j'en ai même pas une. Ça serait vraiment dégueulasse. Ok. Oh, Togedemaru ! Pardon. Parce que Togedemaru, j'adore prononcer son nom. Et Togedemaru, d'ailleurs, c'est dans ma vidéo Pokérogue où il est à l'origine de mes premiers resets. Voilà. Oh, je vois qu'il y a des reflets. Encore une fois, on aura une carte un peu rare. Derrière, on a Kelocroc, je crois. Derrière, on a Meditica, rien de plus à dire. Duralugon. Et moi, je veux son évolution. Et la carte rare, il s'agit de Clitic-Clic, mais... Mais pourquoi j'ai des Pokémon Clacos, là? J'ai que de la merde. J'ai que de la merde, c'est pas possible. Putain, mais mes cartes rares, elles sont nulles. Regarde. Voilà, ça, c'est mes cartes rares. Coxyclac et Clitic-Clic. Mais c'est de la merde. J'ai 58 000 points de chaîne. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est un truc, il faut que je regarde les points de chaîne. Ouais. J'ai laissé le filtre rigolo. Si tu l'achètes... D'ailleurs, ça m'étonne que t'aies que 58 000. Si tu l'achètes, je ne l'activerai pas. Parce que là, je veux que ce soit sur YouTube. Donc, pour le coup, je vais pas l'activer. Mais si je continue de stream derrière cet opening-là, pourquoi pas. Fuck. Non, mais ça sert à rien, en vrai. Les points de chaîne, c'est inutile. Je me disais au début, c'est rigolo, mais... En vrai de vrai, faudrait que je vais retirer cette récompense, faut que j'y pense. Déjà, la dernière fois que ça a été utilisé, je me disais, après le stream, faut que je le retire, mais au final, j'y ai pas pensé. Hop. Alors. Pandarbar. Alors, si j'essaye... Hop. De zoomer dessus. Pandarbar, plutôt sympa. Derrière, on a encore un Hoot-Hoot. Lilia. Patachio, deuxième doublon, et la carte rare... Caillou. Caillou, Caillou. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, je ne parle pas la langue du pays du soleil levant. Donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Eh bien écoutez, next. Putain, j'ai une alarme pour me dire de faire mes quêtes Genshin. Ah ça y est, je crois que j'ai abandonné, j'ouvre rapidement maintenant. Hop. Ah là là. Ouais, elles sont un petit peu pliées. Hein. Genre la dernière, là, je vois qu'elle est pliée. Peut-être que c'est un indice. Là, on le voit. Si la dernière carte est pliée, ça veut dire qu'elle a des couches en plus et ça veut dire que c'est une carte rare. C'est ma théorie. Ossature. Bon, rien de particulier à dire. J'ai totalement oublié son nom. Krabagar. Le fossile de Lilia. Encore un vert pomme. Et la dernière... Oh. Waouh. Ah oui, bon, la théorie du pli est confirmée. Qu'est-ce que c'est? Ouais, parce que tu vois, celle-là, elle est bien pliée, mais je pense que c'est à cause de l'imprimant. Putain, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu cette carte parmi les cartes. Alors, en vrai, ça fait chier parce que, vu la gueule du truc, je pense que c'est une carte rare. Et ce qui me fait chier, c'est qu'elle ne représente littéralement rien. C'est une carte Ace 101 sur 102, là, je vois. Sachant que les cartes, en soi, les plus rares, c'est des cartes qui dépassent le 102. Genre, Noirfang, il est 114, tu vois. Bah, écoute.
On a eu la l'une des cartes les plus rares. Ouais, elle est lourde hein, par rapport aux autres. En vrai, tu le sens. C'est très très léger, évidemment. Mais tu le sens quand même au toucher. Donc là, a priori, j'ai eu déjà certaines cartes rares. J'espère que ça, c'est considéré comme une reverse. Parce que c'est vraiment de la merde. Mais bon, du coup, on a un indice. À chaque fois qu'il y a une carte qui est un petit peu pliée, eh ben, ça veut dire que c'est une carte rare. Et oui, parce que c'est le cas de Clitty Click, etc. Shaofuin, il n'est pas plié du tout. Et oui. Donc ça veut dire, dès qu'on a une carte pliée, ça veut dire qu'on a une carte rare. C'est bon à savoir. Vas-y, je vais les mettre de côté, eux. Je sais pas si je... Ouais, peut-être que je prendrai un classeur juste pour cette collection. J'ai tellement de classeurs chez moi. Hop, et ben next. Voilà, on massacre les cartes. Alors. Tac. Alors, est-ce qu'on a une carte pliée? Non, on n'a pas de carte pliée. Bon bah. Oh. Petit Boreas. C'est vrai que j'avais vu cette carte. Je la trouvais assez sympatoche. Mais j'aime pas plus Boreas que ça, donc c'est pas très très important. Petit Loupio. Qui est en train de nager à l'Institut Myrtille. Eh ben écoute, je pense que là on a un doublon de cartes. Parce que là, on a Loupio qui est dans l'eau et on a Passerouche qui est dans le ciel. Donc j'imagine que ces cartes... Ah non, pas du tout Loupio, il est numéro 30 et Passerouche numéro 83. Je me disais, vu que c'est une des cartes duo, elles sont peut-être ensemble. Derrière, on a eu Flambino et maintenant nous avons Lapiro. Lapiro qui a une carte full art comme Noirfang que je trouvais très très jolie, que j'aimerais beaucoup avoir. Et la dernière, une ex. Une ex de type acier. Oh non, oh j'espère que c'est pas Clitty Click encore. Ah, je crois que c'est Fer de Terre. Et oui. Et nous avons notre toute première ex qui tombe. Il s'agit de Fer de Terre, qui est un Pokémon qui est horrible. Je n'aime pas ce Pokémon. Je n'aime vraiment pas trop ce Pokémon. Du coup, en vrai de vrai, je vais regarder. Hein. Je vais regarder la liste des ex. Alors, parmi les ex... Ah oui, mais non. Bah oui, mais là, j'ai pas la liste. Là, j'ai pas le truc devant moi. Eh ben, écoutez, sachez que parmi les ex, c'est avec le chien, là, Brio Chien. Cet ex-là, c'est l'une des deux ex que je ne voulais pas sur, je crois, une dizaine, douzaine. Bon, écoutez, j'ai déjà eu Noirfang, on peut pas tout avoir. Donc, écoute, vas-y, je vais mettre... vas-y, je vais mettre Shaofuin de côté, comme ça, voilà. On met nos... Les cartes rares, je vais les foutre ici. Ah, quoique, il a beaucoup de reflets, quand même, Noirfang. Ouais, vas-y, on le verra mieux comme ça. Bon, sinon, j'ai eu quoi de particulier, là? Ouais, j'ai eu Lapiro et j'ai eu Boreas. Ouais, c'est bien. Bouloum. Eh bien, écoutez, next. Et je crois que j'ai bientôt fait la moitié. Hein. J'en ai ouvert combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Donc là, 9 et 10. Donc ça veut dire que je suis même pas au tiers. Et bah écoute, sachant que j'ai lancé le stream il y a 30 minutes, enfin que j'ai commencé à ouvrir il y a 30 minutes. Ouais, donc c'est bien, ça me fera pas mal de temps. Ah, j'ai oublié celui-là. Attends, non, là c'est déjà mon... Attends, c'est le combienième lui? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My bad. Donc là, je suis à 9. Donc là, c'est le 10e. Donc là, on est au tiers. Ouais, au niveau des ex, je te dirais au niveau des ex, j'aimerais au moins l'une de celles que je souhaite. Donc, Pierrobut, Terrapagos, ou Loclas. Loclas qui est l'un de mes Poké préférés de la 1G. Pokémon avec qui j'ai une histoire, évidemment, avec Pokémon X. En plus, là, avec ce que je fais, je me spoil pas du tout. L'ouverture, vu que je vois pas si la carte, elle est pliée. Et je ne la touche pas. Alors, on a quoi? Je vais peut-être faire un petit recadrage. À chaque fois, il faudrait que je fasse un recadrage, c'est mieux. Alors, on démarre sur un petit Frison. Derrière, on a un petit Creamy. Ah oui, c'est vrai. Hop, l'orientation, faut que je la gère. Derrière, on a Electek. Donc, il manque plus que Elekid, s'il y est. Elle est plutôt jolie, cette carte. Derrière, on a Melmetal. Et la dernière, on a une carte de merde. On a un autre membre du Conseil 4.
Et Wiro, c'est pour toi. Elle, dans le jeu, c'est la fille du champion d'arène de type sol dans Pokémon Noir et Blanc. Et la musique de la ville dans laquelle cette arène se trouve, c'est la musique de Croque-Mou. Voilà. Donc ça va. On a du réconfort quand même dans le caca. Donc j'imagine, là de ce que je vois, la carte rare, soit c'est une carte dresseur ou une carte terrain ou quoi. Soit c'est une carte rare en mode grosse évolution. Soit c'est une reverse, une holo, tout ce que tu veux. Je vais juste regarder, bon ma caméra elle va disparaître, holographique Pokémon. C'est quoi une carte holo? Ah, une holo, c'est quand la carte, c'est quand autour du Pokémon, c'est comment, c'est un peu arc-en-ciel. Mais attends, mais du coup, reverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Pokémon qui est en mode multicolore, j'imagine. Écoutez, ça sera la surprise. Ça, c'est les gens, ils aiment bien la ASMR, là. Bon alors, comme d'hab, la dernière. Oh, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle était un peu courbée. Bon, on démarre sur un roi Gada, rien de particulier. Oh, Kung Queen. Papa. Bah voilà, on a les deux. Bah plutôt content. D'ailleurs, on a un Glurpty. Voilà, il fait ça dans l'animé. Ouais, rien de particulier. Derrière, on a un Coxie. Bah du coup, ça, encore une fois, on a la famille avec Coxyclac. Et la dernière, qui n'est pas une carte rare, qui est Vasilis, qui est l'évolution du coup de Lilia. Donc on complète la famille. Et eh ben on s'approche de la moitié, là c'était le 11e ou le 12e que j'ouvrais je crois. Et eh ben next. Eh en vrai toi t'es mouche. Moi je veux garder que noir fin. En plus vu qu'il est 114, ça veut dire que dans mon classeur je vais le mettre. Vu que je vais mettre les cartes dans l'ordre, ça veut dire que je vais le mettre à la toute fin noir fin. Après, je pourrais faire le contraire. Je pourrais mettre les plus rares à l'avant. Bon. Il y a un monde où je fais une brocante prochainement. Et peut-être que j'essaierai de choper les cartes qui me manquent de cette collection. Ça fait deux fois que j'envoie ma candidature en tant que gendarme réserviste. Il me manque encore des documents. Merde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais refaire un petit zoom. Alors, on démarre sur... J'ai oublié son nom. L'évolution de Crémy. J'ai totalement oublié son nom. Charmilly. Derrière, on a Click. Donc, vu qu'on a Clitty-Click, voilà, on continue la famille. Derrière, on a Osley. Ramolos, vu qu'on a Rogada, c'est bien. Et la dernière, on a une carte de merde, à savoir le champion d'arène haut dans Pokémon Écarlate. Ah là, on commence à avoir du caca. Hein. Eh ben, écoute, c'est pas grave. Moi, j'ai Noirfang. Je vais être content au final, tu verras, j'aurai que Noirfang comme bonne carte. J'aurai vraiment rien d'autre. Mais là, j'ai pas vu de carte pliée, là. Ah, je vois que la toute dernière carte, là, elle est un petit peu abîmée. Ouais, faut que je fasse gaffe à pas mettre mes ongles, parce que là, je vois... Je sais pas si ça se verra. Ouais, ça se voit un petit peu. Le haut de la carte, là, de la dernière, il est... Il est un chouïa enfoncé. Donc faut que je fasse gaffe à bien utiliser mes doigts comme ça. Et surtout pas d'utiliser mes ongles. Alors, est-ce qu'elle est courbée? Elle n'est pas courbée. Putain.
Oh, Blancoton qui était l'un de mes grands mains de Pokémon Unite. Du coup, je l'aime bien. Derrière, on a un Shaglam, qu'on a déjà, du coup. Derrière... Ah, on a Pomme d'Amour, cette fois-ci. On a l'évolution de Verpomme. Rhinocorne, qu'on a déjà. Et la carte... Oh, la carte rare. Ah, je crois que c'est Meditica. Je crois que c'est Meditica, et je crois que c'est une Full Art. Donc malheureusement, c'est une Full Art, donc ça m'éloigne de mon Zeraora. Mais c'est une belle Full Art. Donc voilà. Nous avons Meditica, j'essaie de la prendre pour qu'on la voie bien. Qui est en vrai vraiment jolie, hein, avec un petit pijaco dans le fond qui fait... Ah, eh ben écoutez, en vrai cool. Meditica, voilà, Pokémon que je trouve très particulièrement OZEF. Mais c'est vrai que quand j'ai vu sa carte, je la trouvais assez sympatoche. Donc en vrai, je suis assez content de la voir, tu vois. Je préfère tomber dessus. Et bonsoir Florian, et bienvenue, la caméra elle est là. Bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment vas-tu? Et comment Valentin va également? Et oui, j'ai appris que vous étiez à Dijon, du coup. Vu que c'est toi qui me l'as dit. Bah écoute, Meditica, à la limite, on va le foutre là. Voilà. Non, elle est sympa, la carte. Je l'aime bien. Il mérite que je l'aime un petit peu. Bah, je crois que c'est officiel, là, on entre dans la moitié. Ah. Donc écoutez, on continue. Bah, actuellement, pour te dire un petit peu les cartes que j'ai eues un peu rares. Voilà, actuellement, j'ai eu tout ça. Du coup, on a eu un Cliticlic, holo, graphique, a priori, c'est pas River, ça. Voilà, bon, Cliticlic, rien à foutre. Bon, ce truc-là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je me souvenais même pas d'avoir vu cette carte. Mais elle est très épaisse, elle a beaucoup d'effets sur elle, donc j'espère qu'elle vaut. Parce qu'elle, j'en ai rien à foutre. Derrière, qui a été dans mon tout premier booster, c'est Roc de Fer. Qui est la forme de Terrakium du futur, on va dire. Donc voilà, également une holographique. Derrière, on a Coxyclac, holographique. Voilà. Après, bah, on a mon petit Shaofuin, qui est l'un de mes types combat préférés. Donc voilà, je les sleeve en avance. Et après, je pense que là, c'est mes trois rares actuels. Mes trois plus rares. À savoir Fer de Terre, une ex qui fait partie des rares ex... Enfin, qui fait partie des ex que je ne voulais pas. Et derrière, on a nos deux Full Art. À savoir Noirfang et Meditica. Et en vrai, Meditica faisait partie de celles que j'aurais bien aimé avoir. Donc, c'est chose faite. Et Noirfang qui fait partie des deux cartes que je voulais absolument. Parce que juste je trouve la carte très stylée et en plus c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Donc forcément voilà. Et Noirfang, je crois que je les drop sur la deuxième. Je crois que je les drop sur la deuxième. Sur le deuxième booster. Du coup j'étais plutôt content. Donc écoutez, on va continuer. Mais du coup vous faites quoi de beau à Dijon? Ça a coûté combien? 40. 40 euros pour avoir 30 boosters de 5 euros. De 5 cartes chacun. Et il n'y a pas d'énergie du coup. J'en ai pas eu, donc c'est confirmé. Et l'avantage d'acheter en japonais, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'en France, évidemment. La carte vaut moins cher forcément par rapport à la France. Mais l'autre avantage, c'est que ça sort 2 mois avant le monde. Au Japon, c'est sorti en juillet, ça. Et je crois que j'ai commandé le tout en août ou un truc comme ça. Alors... on n'a pas de carte courbée parce que... Oh, quoique si, elle est courbée un peu, je crois. Je crois qu'elle est courbée, cette carte. Et j'ai cru voir du bleu. Oh. Alors, je vais juste... Hop, remise au point. Ouais, je peux faire ça, là. Peut-être on verra mieux les cartes. Oh oui, là, on les voit bien. Et bah, du coup, on commence sur un Mel... Non, c'est pas Melmeta. Comment il s'appelle? Je sais pas. Donc, ça m'a coûté 40 euros. Derrière, on a Beaudrive... Ouais, Tic, que j'avais déjà. Chaffreux. Oh oui, oui, la carte, elle est courbée. Elle est clairement courbée. Alors, oh, type feu. Alors, j'ai pire au but. Alors, vous ne voyez pas, désolé. Ok, donc j'ai pire au but. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai la ex normale ou est-ce que j'ai l'alternative? Si j'ai l'alternative, c'est une full art. Et elle vaut, en principe, plus. Elle fait partie des cartes que je voulais. Ah, putain, dommage. Dommage. C'est pas la full art. Voilà, pire au but.
Terra Crystal. Je sais même plus comment il s'appelle, le Terra Crystal du Terra Crystal. Donc écoutez, voilà. Voilà, sans plus, malheureusement, je ne suis pas tombé sur, sur le bon Pyrobut. Ah là là. Misère. Ah, je voulais l'autre, moi. Bon, en vrai, ça va, ça fait partie des cartes que je voulais, donc... En vrai, c'est bien. Et ouais, la carte est courbée. Ah oui, mais j'ai cru que c'était du bleu, parce qu'il y a du bleu. Donc voilà, malheureusement, c'est pas la full art. Ça arrive. On fait des balades et visites à Dijon. Ni pour 3 jours. Ok, bah cool. Et du coup, attends, Fer de Terre, c'est pas une full art, j'ai dit de la merde. J'ai pas encore eu Dex full art. Et j'imagine que dans le tas, on est censé en avoir au moins une. C'est quoi la différence entre les deux cartes Pyrobut? Voilà, pour te faire comprendre très facilement. Il y a deux versions de la carte X de Pyrobut. Là, j'ai la carte normale, parce que Pyrobut, il rentre dans ce cadre-là. Et là, Noirfang, c'est une full art, parce qu'il prend toute la carte. Voilà, et c'est ça la différence entre une carte normale et une full art. Donc juste le Pyrobut full art, bah, c'est qu'il prend toute la carte. Mais évidemment, ce sont des cartes beaucoup plus rares. Hop. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe dans les cartes, mais j'ai eu Chaffreux. Donc on complète avec le petit Mistigrid en dessous. D'ailleurs, vu qu'il y a 150 cartes, et qu'il y a 102 cartes dans la collection normale hors cartes rares, il y a moyen que je complète la collection. Et en vrai... Je sais pas, si je me dis en brocante... Moi, ça y est, le game des brocantes, moi, ça m'intéresse. S'il y a moyen que je puisse choper les cartes qui me manquent, eh ben, écoute, je le ferai. Voilà. J'achèterai les cartes manquantes, si besoin. Donc, on verra. Je pense qu'on complétera à la fin. J'irai chercher un classeur. J'irai chercher mes pages. Non. Alors, par contre, le problème, c'est que je ne sais absolument pas où sont mes feuilles de plastique pour foutre mes cartes. Et je pense que je ferai un emplacement par numéro de carte. Ah, putain! Et du coup, fun fact, mais le dos des cartes japonaises, bah c'est ça. Et quand je voyais des cartes avec un dos comme ça, je croyais que c'était des cartes spéciales, mais pas du tout. C'est juste des cartes du pays du soleil Japon. Alors, oh, on commence avec Lucanon, qui est l'un de mes... qui est pas... enfin, en vrai, oui, je pense qu'il fait partie de mes 5 insectes préférés. Avec Mega... Attends, il est où mon pouce? Avec Megavolt, Yann Mega évidemment. Bah Lucanon. Je dirais Scarino après. Papa. Vortante. Notice Miss Senpai. Oh, sympa. Il ne manque plus que le papa. On l'a eu sous sa forme fossile, lui. Donc lui, c'est Carapagos qui évolue en Megapagos, qui n'évolue pas en Terrapagos. Terrapagos, c'est juste le légendaire. À l'origine de la Terra Crystallisation. Malheureusement, Grimalin, deuxième qu'on a. Et la carte finale... Oh, let's go! Cool! Je suis content. Alors, tu dis... Mais Lumineon, c'est de la merde! En soi, oui. Mais j'aime bien Écaillon. Vraiment, j'aime beaucoup Écaillon. Et je voulais la carte Lumineon et Écaillon parce que j'aimais beaucoup le style artistique de ces cartes. Donc, écoutez, je suis content. Parmi mes cartes giga random, c'était celle que je voulais le plus, avec évidemment sa sous-évolution. Donc, c'est chose faite. Donc, ça veut dire que là, parmi les 3 cartes random que je voulais, il y avait Shaofuin, il y avait Écaillon et Lumineon. J'en ai eu 2 d'entre elles. Donc, moi, je suis content. On commence à taper dans les doublons, là, parce que là, des doublons... là, j'ai eu Grimalin en doublon. Tout à l'heure, j'en ai eu d'autres, déjà. Donc écoute, RIP, me disent les jeunes évidemment. Eh ben écoutez, continuons sur notre lancée. Donc ça veut dire là, alors si je regarde sur mon Discord, alors parmi les cartes random, il me manque Écaillon, Zeraora qui a une carte random, donc en vrai je me dis autant la choper, Irfoudre aussi qui m'intéresserait à avoir parmi les cartes random, et parmi elles du coup j'en ai déjà 2. Et après parmi les full art, j'en ai pas beaucoup. Que Noirfang. Ouais, vraiment, les full art que j'aimerais le plus, c'est Zeraora,
Zeraora, Noirfang que j'ai déjà, et Lapiro. La Lapiro, je la trouve trop belle. J'aimerais vraiment l'avoir, celle-là. Et à côté, bah évidemment, les ex de Pyrobut, Loclas et Terrapagos. En vrai, je vais pas me plaindre, parce que parmi les ex, j'ai eu Pyrobut quand même. Même si c'était pas l'alternative, c'était l'une des cartes que je voulais. Donc en vrai, de vrai, je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Il y en a une qui est un petit peu abîmée. Alors, est-ce que c'est moi en appuyant? Très probablement. Il faudrait que je trouve une méthode pour les ouvrir bien. Alors. Tac. Bon, là, c'est officiel. Hein. On a dépassé la moitié. Rejoignez ma personne sur YouTube. Important. Je n'ai aucune idée. Délestin. Pokémon Opsy de Écarlate et Violet. Extrêmement random. Motisma Plante, cool, je l'ai pas. Oh, Tritox, sous évo de Malamandre, qui est la toute première carte que j'ai poule. Donc c'est bien, on chope la famille. Passe Rouge qu'on a déjà, et la carte rare, c'est une c'est une Reverse Noirfang. Je savais même pas qu'il y avait Noirfang sous une autre forme. Eh ben écoutez, moi je suis content. Première Reverse que je suis content d'avoir. Reverse. Ah, est-ce que c'est une holo ou une reverse? Non, quoique. Ouais, là, ça fait toute la carte. Ouais, du coup, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est une holo reverse ou quoi. Non, bah, content. Content, content. Sympatoche. Je trouve ça juste bizarre que l'effet multicolore, il soit sur toute la partie de Noirfang. Ouais, j'aurais plutôt pensé que ce soit... ce soit autour de lui. Mais bon, bah, une carte que je n'avais même pas prévue, je savais même pas qu'elle y était, celle-là. Donc en vrai, je suis content. Alors, je vais compter, voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous reste comme 4 à... comme 4 à pack. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, oui, c'était officiel avec celle-là, on a passé la moitié. Donc, il nous en reste 14. Bon, sinon, ça fait quoi de beau, là? Wiro. Moi, je vais leur... Ah, merde. Rib, j'ai voulu lancer une conversation. Eh bah, tant pis. Eh bah, bonne nuit à toi. Merci d'avoir été là. Tu m'as porté chance pour ce début de pack. Même si, bon, entre nous, évidemment, ça n'aurait rien changé. Eh bah, merci beaucoup. Et à la prochaine, bien évidemment. Moumouflon. Ah, mais je dis de la merde. La première carte que j'ai pack, c'est pas Malamandre. C'est Moumouton. Et du coup, on a l'évolution. Vas-y, je vais faire la con. Regarde, le mouton, tu t'as pas envie de le manger, là, il est sur les pâturages des Alpes. D'ailleurs, on a Chrysapile. Donc, on complète la famille de Lucanon. Moi, je regarde le stream d'un mec pas super connu, mais super sympa. Oh, tu es trop gentil. Merci. D'ailleurs, on a Miditika sous forme normale, du coup. Je n'avais pas. En dessous, on a Boumata. Alors, j'ai un doute si je l'avais déjà, mais je crois oui. Ex. Ex. En Provence. Type normal, on voit. Donc, je crois que c'est... Je crois que c'est Terrapagos. Alors, la vraie question, je pense que c'est Terrapagos normal. Je pense pas que ce soit une full art. Mais là, je suis quasi sûr que c'est Terrapagos. Donc, en vrai, je suis content parce que c'est l'une des cartes que je voulais. Donc on verra, est-ce que c'est la full art? Si c'est la full art, la carte vaut 100 balles. C'était sûr. Mais c'était sûr! Eh ben écoutez, je vous l'annonce, j'ai chopé la meilleure carte, je crois. Je crois que j'ai chopé THE carte. Eh ben écoute, moi ça me va, je vais pas cracher dessus. Pardon, bon je les sleeve très rapidement. Avec les bords qui brillent, ouais mais tu vois les autres aussi elles brillent. Bah écoutez, je suis trop content en vrai. Bah là, rentabilisé. Là tu vois, si juste je vends cette carte là, j'ai rentabilisé le pack. Direct. Eh ben écoutez, ça me met giga bien.
Par curiosité, je vais quand même regarder. Attends, je vais ouvrir Microsoft Edge pour pas m'embêter. Pour combien de points de chaîne tu la coupes? Malade. Alors, je vais regarder. C'est combien? 122 Terapagos. Alors, sur Price Charting, elle vaut combien? Si ça se trouve, elle vaut que dalle. Elle vaut 12$! Ah non, non classée, elle vaut 12$. Mais si elle est classée... comment? Si elle est 10 sur 10, elle vaut 70 balles. Classée 9, on est à 27. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ça descend très vite, putain. 10, elle est à 70. 9,5, elle est à 30. Évidemment, c'est que des cartes japonaises. C'est intéressant. Donc la carte non classée, elle vaut quand même 11 balles à elle seule. Hein. Et attends, c'est 11$. Les dollars, ça vaut moins que ça, attends. Dollars en euros. Ah merde. Ah, donc elle vaut 10 balles exactement, cette carte. Mais dis-toi que, imagine, si je... Là, c'est là où... C'est dans ces moments-là où... De faire grader une carte, ça coûte à cher. Vraiment, ça coûte cher. Mais là, dans le cas de cette carte-là, si elle a un bon classement, si elle est au moins classée 9, je fais x3 à son prix. Donc tu dis, si ça me coûte 5 euros de la grader, elle fait x3, donc ça vaut le coup. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Bah écoutez, trop content d'avoir vu celle-là. Franchement, je suis refait. Je suis vraiment refait. Bah très 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 content. Écoutez, alors elle fait trop de lumière. Vas-y, je remplace Meditica. Je mets la Terapagos ici. Eh ben écoutez, trop content. Pourtant, la carte n'était pas si pliée que ça, et là, quand je la vois, évidemment, elle est pliée. Eh ben écoutez, trop, trop content. Mais en vrai, de vrai, je pense que juste avec ça, je peux être content de l'avoir drop. Bon, allez-moi, go te rompiche. Eh ben écoute, merci Wiro, c'est grâce à toi tout ça, évidemment. Écoute, je te dis bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Et bonne nuit à toi. Il y a moyen derrière que je continue de streamer et de faire autre chose. Je sais pas sur quoi. Évidemment, il y a moyen que je lance Genshin. Je vais peut-être avancer un peu le top opening of all time, ça fait longtemps. Alors. Je me demande si ça vaut combien un booster. Ah, cool! Alors là, on a l'une des cartes que j'aimerais bien avoir en full art. Enfin, c'est ce personnage-là. Donc, Briard, la professeure... Non, c'est pas Briard, c'est la professeure Bria, je crois, du coup. Je sais plus. Bah, elle, j'aimerais beaucoup l'avoir en full art. Et elle a deux versions en full art. Et je sais pas c'est laquelle, celle que je préfère, parce que je me souviens pas. Mais je suis content de l'avoir. Ça fait partie des cartes que je voulais. Ah, putain, on a enfin une évolution. Brésillon, du coup, l'évolution de passe rouge que j'ai déjà en double, ce passe rouge, du coup. Donc, c'est cool. Non, c'est pas Tournegrain. Je sais plus comment il s'appelle. Tournicoton. Tournicoton, qui est la sous-évo de Blancoto, donc c'est cool. On complète sa famille. Kellocroc que j'ai déjà. Et la carte rat. Oh, une ex. Une ex de type psy. Oh, putain. C'est Briochien. Qui est de type fée. Ah, putain, dommage. Et c'est pas une full art au moins. Je suis content parce que si je drop une full art sur un Pokémon dont je me fous. Bon bah malheureusement, j'ai chopé les deux ex que je ne voulais pas, à savoir Fer de Terre et Briochien. Et bon, faut bien des cartes un peu de merde. Après, il est mignon Briochien quoi, c'est un chien brioche littéralement. Mais bon, je m'en fous un peu. Mais bon, au moins elle est là, c'est cool. C'est bien. Je croyais qu'il y avait le type fée dans les types, mais non. Eh bah écoutez, juste à prier de ne pas avoir des ex en double, et là, évidemment, sans aucune hésitation, je la vendrai dès que j'en aurai l'occasion. Mais bon, pour ça, faut faire des brocantes, et j'en ai fait une seule dans ma vie, à savoir, il y a 3 semaines. Après, il y en a très souvent, mais bon, faut prendre des transports, ça fait chier. Eh bah écoutez, next. Hop. Alors, on démarre. Oh, let's go! On commence avec Megapagos, qui nous permet du coup de compléter vraiment la famille de...
enfin sa famille, vu qu'on a la version fossile et la sous-évolution. Derrière, on a Guérilante que j'ai déjà. On a Hexadron que j'ai déjà. Ah, Fourbelin, enfin à nouveau. Donc l'évolution de, j'ai oublié son nom, de Grimalin. Et la carte rare... Florent Buzard. Et ben voilà, on complète une nouvelle famille d'évolution. Donc c'est plutôt cool. Hop. Écoutez, en fin de stream, je vais aller toutes les sleeves. On va les ranger dans l'ordre dans un beau classeur. Et là, je les vois les deux, là, je suis vraiment content. En vrai, ça fait vraiment partie des... Ces deux cartes-là, elles font partie du top 5 que je voulais. Après, si on continue le top 5, je dirais la Pierrot et Zeraora alternative. La Pierrot alternative et Zeraora alternative. Et après, peut-être la pomme d'Orochi. La pomme d'Orochi en mode graffiti, que je trouvais aussi très très sympa. Alors, je dis en mode graffiti, mais c'est en mode graffiti des Incas, on va dire, un petit peu. En mode dessin antique. En vrai, je pense que ça sera juste des shorts. Hein. Je ferai pas une vidéo entière pour ça. C'est pas assez intéressant. J'ai pas assez de cartes pour en faire. Alors... Bon, écoute. Bon, pour le coup, si je veux compléter la collection, ça, je m'en fous. Les cartes random, je m'en fous. Et let's go. Et bah let's go. Je vais la slip juste après. Et bah let's go, on a Écaillon. Et voilà, j'aime bien le style artistique. C'est un peu enfantin, c'est sympa. Et on complète la famille avec cet Écaillon. On a encore un Flambino. On a encore un Statitique. J'ai pas encore eu Megavolt. Et on a une holographique de... Oh, on a une holo reverse. Pardon, my bad. Je m'en mêle, on a une full art. Alors malheureusement, encore une full art que je ne voulais pas. Mais au moins, on n'a pas de doublon. Donc c'est une full art de Creamy. Qui est sympa, là, il y a de la bouffe partout. Lui, il est là en mode... Ah, j'ai faim, papa. Bon, pour le coup, je la mets de côté parce qu'elle, je m'en fous un petit peu. Mais content, pour très content pour Écaillon. Et en vrai, ça va. J'ai... Après, j'ai pas les meilleurs full art. Hein. Encore une fois, moi, là, Zera... Et la Pyro que je veux le plus. Et si je vais en brocante et que je les vois, je les prendrai. Parce que celles-ci, c'est les deux qui m'intéressent le plus et que je n'ai pas actuellement. Ouais, c'est vraiment mon... Ouais, c'est mon top 4. Là, ces deux-là, elles faisaient partie du top 4. Et les autres, c'est Zera et la Pyro Full Art. C'est les autres qui m'intéressent. Enfin, c'est celles-là qui m'intéressent vraiment, mon top 4. Si j'ai mon top 4 de mes cartes, franchement, je suis refait. Après, je pense que la collection est beaucoup trop récente pour que les cartes valent cher. Donc, écoute, voilà. C'est pas très très grave. Oh, elle me semble un peu pliée, la dernière. Bon, on verra, ça sera la surprise. Putain, j'ai une autre baie. Je suis tombé sur une autre baie que je n'avais pas. Alors, c'est des baies que je ne connais absolument pas. Elles sont pas dans les jeux. Derrière, on a Pan d'Espiègle, que je crois ne pas avoir. Donc, écoute, nouvelle carte. Motisma Vent. Ok, je savais même pas qu'il y avait d'autres Motisma dans la collection. L'Arvibule qu'on a déjà. Et la carte rare qui est, je crois, l'évolution finale. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je croyais que c'était l'évolution finale du Pokémon Fepsi, là, de Grimalin. Donc Angoliath. Bah écoute, on complète la famille de Gloopty de cette façon-là. Donc c'est pas plus mal. Merde. Ah! Putain, j'ai un gros paquet de cartes. Hein. Oh, c'est chaud. Hein. Là, j'en ouvre que 150 pourtant. Hein. Je sais pas si j'aurai assez de sleeves. En vrai, les sleeves, ça coûte que dalle. Donc je pense que au pire... voilà, en brocante, je sais qu'il y a des gens qui vendent des sleeves. Donc au pire, voilà. Au pire, j'irai en acheter à ce moment-là. Surtout qu'ils les vendent souvent en plus bas prix sur le marché. Après, je ne sais absolument pas combien ça vend sur le marché, vu que je les ai pris sur Vinted. Oh, j'ai pris une carte, là. La dernière, elle m'a semblé très rigide. Alors, pas de faux espoir. Ah, bah, let's go. Oh, putain, elle est cool. Eh bah, let's go. Eh bah, écoutez, on est tombé sur Angoliath. Donc, du coup, on complète la collection de cette famille. Derrière, on a Rhinophéros. Donc, on continue la famille
de rhinocorn. Derrière, on a un autre moumouton que j'ai déjà eu. On a un gris malin et la carte rare. Alors, pour moi, j'ai senti de la rigidité. Donc, je pense que cette carte-là, elle est spéciale. Oui, dragon. Il y a quoi comme dragon? Oh, Pondralugon. Oh, la full art de Pondralugon fait partie des cartes que je voulais et que j'ai notées. Ah, merde, dommage. C'est Irfoudre. Après, Irfoudre, pareil, fait partie des cartes que je souhaitais avoir. Donc ça veut dire que j'ai eu les deux paradoxes de cette collection. En vrai, c'est cool. Enfin, j'avais totalement oublié que le type dragon existait. Avant, dans Pokémon, les cartes, le type dragon n'existait pas et ils étaient type normal, les dragons. Bah voilà. Carte d'Irfoudre, à savoir le... comment il s'appelle? Le Raikou du passé. Qui est une espèce de girafe diplodocus, voilà. Qui est très sympa. Mais malheureusement... En dragon, j'aurais aimé en avoir une autre, évidemment. Eh ben écoutez, je les mets de côté, celle-là. Je sais pas ce qui me manque. Bah là, du coup, je sais, il me manque Rhinastock. Après, je sais pas qui me manque comme famille. Alors, il nous en reste combien? 3, 6 et 8. Il nous en reste 8. Hop. Bon, écoutez, ça continue. Et c'est parti. Hop. La dernière, on la met là. Et on est tipard. Ah! Et on démarre sur Gros Drive. Que j'avais pas. Donc on complète la famille. Putain, qui a un style artistique qui est un peu plus poussé que Sassuzevo. Hexadron, je crois que c'est le troisième ou quatrième. La Pyro qu'on a déjà. Ah bah du coup, grâce au Pyro But, on a les trois. On a les trois. Vortante qui est en mode Notice Me Senpai. Et la dernière qui est une carte random. Mais que je n'ai pas. Qui est la 102e d'ailleurs. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Au moins, on a une nouvelle carte. Et là, dans le tas, j'ai quoi de nouveau? Je crois que j'ai que Gros Drive. Hein. Et celle-là. Donc bon. Ouais, sur 150 cartes quand même, les probas sont... Pour avoir les 102 cartes principales de la collection, en vrai, les probas sont assez faibles d'avoir bon à chaque fois. Surtout à cause des cartes rares. Mais bon, on verra. Au pire, les brocantes sont là. Il faudrait que je la fasse. Parce que je crois que c'est la semaine prochaine. Ah mais non, mais c'est pas la semaine prochaine, c'est ce week-end, du coup. J'ai vu qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait des brocantes ce week-end. Des vraies brocantes. À moins de 10 km de chez moi. Donc je vais probablement y aller. Ouais. Je crois qu'on a une carte un peu plus épaisse que les autres. Eh ben écoutez. Oh, caillou! Oh, papa, le caillou! Je crois qu'on a une carte épaisse. Crabagarre. Non, j'ai pas Crabominable. Loupio. Ah! Bah du coup, j'ai pas Crabominable, j'ai pas Lanterne. Tournicoton, on l'a déjà. Et la carte que je pensais être rare et qui l'est pas, mais qu'on l'avait pas, c'est Pandarbar. Donc, elle est pas courbée. Vraiment, j'y ai cru. Mais c'est une nouvelle carte. Donc, je ne vais évidemment pas me plaindre. Pas beaucoup de nouvelles cartes, quand même. Tu as dit que tu ne te plaignais pas. Qu'est-ce que tu fais littéralement une seconde après? Mais écoute, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hop. Ah, oh ouais, bon alors là, là y a rien. Tonkete Manu bon, on l'a déjà. Jaffre, on l'a déjà. Tonkwin, on l'a déjà. Pomme d'amour, on l'a déjà. Et Shaofwin, on l'a déjà. Bah, 5 doublons là, ça fait mal ça. Après, là, on aura de plus en plus de noms rares, on va dire. Eh, en vrai, j'ai eu deux des cartes que je voulais. Eh, moi, je dis... J'ai combien de full art, du coup? J'en ai 3. Je crois... Attends, je vais regarder. Alors. J'ai eu 2 ex. Ah non, j'ai eu 4 full art.
C'est vrai que j'avais oublié mes Didika. Donc on a Krimi, on a Noirfang. Bon attends, je vais les mettre là, les 4 là. Parce qu'ici, il y a moins de reflets. Donc voilà mes 4 full art. J'ai Noirfang, Terrapagos, Krimi et mes Didika. Mes Didika qui était parmi celles que je m'en foutais, qui est en vrai la meilleure. Et à côté, bah évidemment, j'ai eu 2 des 4 que je souhaitais. Donc moi, tout de suite, content. Oui, je l'ai pas ouvert, celui-là. Dun, 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 dun. Spouet, 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 spouet. Oh, elle me paraît courbe, et celle-là, de dos. Bon, on verra. Oh oui, 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 c'est une carte spéciale. Ah, bah, crabominable. Je sais même pas si je l'avais, mais écoute, au moins, on est sûr de compléter la famille. Patachio, que j'avais déjà. Le fossile, on l'a déjà. Chrysapile, on l'a déjà. Et je suis allé vite. Je savais pas que c'était la prochaine. Eh bah écoutez, nous avons l'une des cartes un peu random que je souhaitais également avoir. À savoir le Terrapagos X classique. Eh bah ça m'est bien quand même. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. On va regarder le prix à la fin de toutes les cartes que j'ai. Sachant que c'est des cartes japonaises et qu'elles valent moins que des cartes françaises. Mais bon, peut-être qu'elles vendront beaucoup plus dans quelques années. Eh bien écoutez, il me manque plus que 4 paquets. Donc écoutez, j'espère qu'on aura eu au moins une 5e full art et qu'il s'agisse pas d'une double, mais bien de Pyrobut ou de Zeraora ou d'une full art vraiment rare, à savoir l'une des 2 brillards, l'autre Terrapagos que j'ai pas, ou Pomme d'Orochi. Vraiment, les 2 que je veux, c'est Pyrobut et Lapiro. C'est Lapiro et Zeraora. Parce que la Zera, je la trouve très stylée. Mais en vrai, je pense que j'ai une préférence pour Lapirobut. En vrai, Pyrobut, c'est pas putain Pyrobut, c'est Lapiro. Vraiment, quand j'ai vu Lapiro, sa carte, j'étais en mode, waouh, putain, elle est trop stylée, j'aimerais. Je la trouve vraiment cool. Alors que j'en ai rien à foutre de ce Pokémon, mais juste, je trouve la carte belle. Oh, elle est courbée, elle. Oh, je la vois de dos, elle est courbée. Ok, bah on démarre avec et les câbles. Et là, on a Motisma Vent. Ouais, ouais, c'est une carte spéciale. Là, je le vois. Motisma Plante, Kelocroc. Et moment de vérité. Combat. Y'a quoi en combat? Putain, je sais même pas. Ah, je crois que c'est Charmina. Non, c'est Rhinastock. Eh ben, écoute, c'est bien. Rhinastock qui complète sa famille en tant que holographique. Eh bien écoute, plutôt sympa. En vrai, parmi les cartes random, c'est une carte que j'ai hésité à noter. Donc, en vrai, parmi les cartes voilà, dont je me foutais un petit peu, bah, c'était peut-être celle que je voulais le plus. Donc c'est pas plus mal. Écoutez, là, bah ouais, full doublon encore une fois. Hein. On va compter tous les doublons que j'ai, mais je crois que j'en ai vraiment pas mal. Hein. Eh bien, écoutez, plus que 3 boosters. Je me demande si on peut ouvrir aussi efficacement des cartes françaises. Je crois pas que là, elle soit courbée. Hein. Celle-là, j'ai pas l'impression. Malamandre. Bon, qu'on a déjà, hein, du coup. Gloopty, qu'on a déjà. Rhino Féroce, Larvibule, et la dernière, qui est considérée comme la rare Délestin. Bon bah, 5 doublons. Est-ce que je ne ferai pas du Mario Galaxy après? En vrai, là, faudrait que je reset up tout, et j'ai un peu la flemme. Non, je vais m'arrêter après. Je pense que je vais m'arrêter après. Allez, plus que 2 paquets. Il s'agit de l'avant-dernier. Tac. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas les 2 paquets en même temps? Est-ce qu'on n'enchaînerait pas les 2 paquets en même temps? Eh, moi, je suis chaud. Allez, on termine sur les 2 paquets en même fucking temps.
Donc écoutez, est-ce que je vais avoir de la merde? Ça sera la surprise. On est parti pour les dernières cartes. Alors, Trompette, on l'a déjà. Out, on l'a déjà. Guerriland, on l'a déjà. Fourbelin, on l'a déjà. Ossature, nouvelle, enfin. Lenteur, let's go. Osley, on l'a déjà. Lilia, on l'a déjà. Et je crois que là, on a les deux dernières cartes. Est-ce que j'aurai une full art? Est-ce que j'aurai une ex pour finir? Électrique. Ah, Megavolt. Ah, putain, Electek. Diancie. Putain, c'est une blague. 4 full art sur 30 paquets. Putain, c'est pas beaucoup. Bon, bah rip. Putain, j'ai eu combien de doublons là-dedans? Là, dans ça, j'ai eu que ces deux-là que j'avais pas. Et après, tout le reste, c'est du doublon. Je pense que, honnêtement, bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même eu parmi les cartes que je souhaitais. Hop. Bah du coup, si je mets... Alors, toutes mes cartes sleevées. Hop. Alors, je vais juste mettre de côté, évidemment, Ekaion et Lumineon et Shaofuin parce qu'ils sont pas rares. Il est là. Donc, si je mets toutes mes cartes rares côte à côte... Enfin, rares. Mes holos et tout. En vrai, j'en ai eu beaucoup. En vrai, j'en ai pas mal. Voilà. Rapidos, comme ça. Voilà, on voit à peu près, j'ai eu tout ça. En vrai, c'est pas mal. Je vais juste screen pour la miniature. Alors du coup, je vais allumer. Tac. Je vais l'envoyer à moi-même. Tac. Voilà, on rentabilise évidemment. Donc écoutez, c'est pas mal quand même. Je suis un petit peu déçu pour la fin. Mais en vrai de vrai, j'ai eu deux des cartes que je voulais absolument. À savoir Terra Pagos et Noirfang. Mais écoutez, si je fais une brocante prochainement, on verra. Après, le truc, c'est que la collection en France sort dans 2 jours. Enfin, elle sort jeudi. Donc je pense pas qu'en brocante, je trouverai ce week-end des trucs sur ça. Je pense qu'il faudrait que j'attende une prochaine brocante pour les trouver. Mais en vrai, de vrai, j'ai eu des bonnes cartes quand même. J'ai eu un Pyrobud, j'ai eu... Sur 4 full art, j'en ai eu 2 que je voulais absolument. Et une que je trouvais très cool. Donc ça reste quand même plutôt sympa. Alors écoutez, maintenant, la question que je me pose, c'est... Où se trouve... Mais... Parce que je sais pas où se trouvent mes feuilles en plastique... Parce que là-dedans, j'en ai pas beaucoup. Ah non, là, j'en ai pas. Attends, je vais sortir tous mes classeurs de cartes. Donc là, ce classeur-là, c'est toutes mes anciennes cartes. Toutes mes anciennes cartes que j'ai classées par type. Et dans ce classeur aussi, j'ai fait ça. Ouais, non, j'en ai pas en plus. C'est un peu relou, ça. Malin, ce que j'ai fait. Parce que je sais pas du tout si j'ai d'autres feuilles de classeur en plastique. Je sais pas où elles sont. Faudra que j'aille les chercher. Parce que j'aurais bien aimé les sliver maintenant pour voir qu'est-ce qu'il me manque. Parce que après, en plus j'ai mes autres classeurs. Ah, j'avais oublié. J'avais mis des trucs dans mon classeur avec un mini Adrenasta. Écoutez, je n'ai aucune idée de où est-ce que je les ai foutus. Je sais pas ici. Alors là. Où est-ce que j'ai foutu ça? J'ai pas pu tous les utiliser. J'en avais en rame. Oh putain, est-ce que... Attends.
Non, ça serait con que j'ai fait ça. Est-ce que je les ai foutus derrière mes katanas? Non. Non, merde. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que je les ai mis. Mais si ça se trouve, j'en ai plus, là. C'est possible, mais ça m'étonnerait quand même. J'ai l'impression que je n'en ai plus. Je suis vraiment étonné. J'ai combien de cartes dans mon coffret 150R? J'ai... Putain, il n'y a plus que 9 boosters, sérieux? C'est tout? C'est 9 boosters de 10 cartes. Putain, c'est que dalle. Bah écoutez, je pense que je vais les foutre dans... Ah, je suis un peu deg. Je pense que je vais devoir les foutre dans mon ancien... Dans mon ancien classeur, où je foutais 20 milliards de cartes. Du coup, il s'est agrandi de fou. Hop, mon tout premier classeur de cartes Pokémon. Alors ce qui me fait chier, c'est que ce classeur-là... on va dire, il est là pour dépanner. Alors, attends, je peux pas dézoomer plus. Il est là pour dépanner parce que malheureusement, je foutais énormément de cartes dedans. Et du coup, les poches se sont agrandies de fou. Eh bah écoutez, c'est l'heure du slivage. Donc écoutez, voilà, rien de plus à dire. Je vais sortir mes sleeves, hein, parce que là, je vais en avoir besoin de beaucoup. Là-dedans, j'en ai 100. Je vais pas sliver mes doublons, je pense. Je sais que j'en ai pas mal. Je vais juste les comparer à chaque fois. Alors. Je sais pas comment je m'organise. Est-ce que je fais genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et tout. Je pense que je vais faire ça. Pour économiser de la place. Donc du coup, j'aurai 2 cartes par emplacement. Donc écoutez, on est tipard. Alors déjà, on peut regarder les deux premières cartes que j'ai slivées. À savoir Écaillon et Luminéon, elles sont 20 et 21, donc ça veut dire qu'elles sont assez proches. Donc là on a 9, là on a 18. Ah, bonjour, il y a une sleeve ici. Donc 9, 18, 19, 20, 21. Donc on peut déjà les positionner ces deux-là. Et le problème c'est que les cartes par en haut, elles peuvent se barrer. Alors après l'avantage c'est que les cartes sont dans des sleeves, elles-mêmes dans des sleeves. Du coup, normalement, elles sont pas censées bouger trop. Bah. Et bah écoutez, on commence la collection. Tac. Incroyable! Alors, j'ai un peu la flemme de calculer pour Shaofuin pour savoir où le foutre. Donc, je le mettrai plus tard. Derrière, nous avons Diancy. Diancy qui est juste à côté de Shaofuin. Donc, j'imagine qu'il y avait Stracy avec. Donc écoute, je les fous ensemble. Derrière, on a eu Electek. Electek qui, je crois, fait partie de la page actuelle. Et oui, vu qu'il va aller derrière Luminéon, vu qu'il est 28. Attends, alors il faut évidemment le mettre dans le bon sens. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ce que je fais, mais bon. Écoute, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Ouais, et au pire, comme ça, les cartes ne bougeront pas. Parce que j'ai combien de pages? Est-ce que j'ai de la place? Parce que sachant qu'il y a... Il y a plus de 100 cartes. Est-ce que j'ai assez de pages pour tout? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Donc non, je n'ai pas assez de place. Même si on prend en compte mes doublons,
Ça veut dire là, j'ai que 90 emplacements. C'est pas suffisant. Alors derrière, on a Lilia, qui est la numéro 3. Lilia qui est la numéro 3. Je crois que j'ai des doublons, donc pareil, il va falloir vérifier. Donc je la mettrai après. Osley, 48. Donc lui, il est à peu près avec Diancy. Il me semble que les numéros sont rangés par type, parce que là ça fait 3 types combat qui sont assez proches. Lantern, qui est pas type O, qui est type électrique du coup. Qui est la 31, donc. 31, on est juste à côté. Donc là, 28, 29, 30, 31. Hop, donc tu es ici, mon coco. Ah, tu vois, celle-là, elle rentre très facilement, donc c'est pas très très rassurant. Lilia, bon, on va la foutre là, la 30. Merde, Ossature. Ossature qui est 49, juste après Osley, évidemment. Ouais, je pense que les gros chiffres, je les rangerai après. Derrière, on a Fourbelin qui est 65, donc pareil, lui, il est assez tard. Pareil, je vais le ranger un peu plus tard. Guerriland, qui est 42, donc pareil, c'est assez tard. Ouais, type combat, psy et ténèbres, ils sont assez loin. Peut-être augmenter un peu la luminosité. Out, c'est normal, donc je pense qu'il est au tout début. Pas du tout, 76, ah bon. Oh. Non, mais très content pour le Noirfang. Les Noirfang. Bon, la trompette, elle... Ah, 89, je pensais qu'elle serait plus loin à ce niveau-là. Alors, on va tester la théorie tout de suite. Le prochain, c'est l'un de mes Délestins. Alors, Délestin, il est à combien? 27. Ouais, donc c'est ça. Hein. Les numéros sont selon les types des cartes. Et donc, la 27e, elle est là. Et le type plante, j'imagine, c'est au tout début. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que la famille de Larvibule, elle sera bien côte à côte. Alors après là, je place maintenant ce Larvibule, mais il faudrait que je compare l'état de la carte avec les autres. Bah là, type combat, donc ouais, 51. C'est pour plus tard. Glouptie type ténèbres, 61. Donc pareil, c'est pour plus tard. Le prochain, c'est Malamandre. Donc Malamandre, qui est un type feu. Donc lui, il doit être au début. 14. Alors, je vais prendre la sleeve qui était déjà dans mon classeur. Donc 14. Bah 14. Attends. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc celle du milieu. Ok, Kellocroc, donc type O, il est 25, quand même. Donc 25, Shtak. Eh, j'ai pas eu Torgamor. Donc il est là. Motisma, numéro 6. Donc c'est pour ça que les chiffres n'ont pas de sens, genre Motisma vent et Motisma plante, ils sont pas du tout ensemble. À cause du type. C'est intéressant, ça. Donc, numéro 6, elle est là. Donc, évidemment, derrière, on l'a vu, hein, je l'ai dit, Motisme avant. Tiens, j'ai déjà plus de sleeve ici. Hop. Je vais garder la petite pochette plastique, ça peut être utile. Shtak. Alors, type normal. Le type normal, je suis étonné qu'il soit aussi loin. 80. C'est vraiment pas tout de suite. Type électrique, j'imagine. Ouais, c'est juste après le type O, vu que Pikachu complète le trio des starters. Donc si c'est 29, 28, 29. Oui, tout à fait. Et les câbles. Ah bah oui, Electek. Donc il n'y a pas Elekid, du coup. Vu que là, on fait directement 27, 28, 29, il n'y a pas Elekid.
Next, Chrysapil. Et il me semblait qu'on avait vu un Larvibule. Je crois que je me suis juste dit, je vais le faire après Larvibule. Attends, il est où là dans le tas? Attends, je suis sûr d'avoir vu un Larvibule. Ouais, pourtant là, je le vois pas. Eh ben écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. On le verra plus tard. 34. Du coup, 31, 32, 33, 34. Il est là. Il est avec Délestin. Ouais, ça va. Eh ben nickel. On continue. Bon, ça c'est un truc qui est à la fin. Ah non, c'est la, c'est le fossile de Megapagos. Ah, et ce truc a des PV. Ah bon. On m'a vu que c'est à la fin. Hop. Patachio, je crois qu'on l'a déjà vu. En vrai, je vais sliver toutes les cartes, hein, c'est pas grave. Hein. Comme je l'ai dit, des sleeves, ça coûte pas cher. Mais c'est juste les cartes random, quand les gens ils les regardent, ça fait chier. Au pire, je les donnerais, tu vois. C'est pas grave. Ah, Crabominable. Ah, j'ai eu deux Shaofuin. Ouais. Donc 24 Crabominable. Ah, le type glace. Putain, mais c'est une blague, mais les... J'ai changé de sens les sleeves pour pouvoir avoir le dessus qui m'arrange, et au final, j'arrive pas à l'avoir. Alors 24... bah voilà. Hop. Shaofuin, bon bah, ça va être la comparaison, hein. Quel Shaofuin est le mieux? Ah, je vois qu'il y a un... Mec, j'en ai aucune idée, comment tu veux savoir? Ouais, non, là j'ai vu une petite griffure et un petit point sur celle-là. Donc, bah, à la limite, vu que je sais, elle, je vais la... je vais vraiment la mettre de côté. Vas-y, je vais la foutre là. Pomme d'amour. Pomme d'amour, qui, où j'en ai deux. Donc, pareil, je pense que je vérifierai à chaque fois que j'aurai des doublons, je vais les regarder pour essayer à peu près d'estimer quelle est la meilleure. Type plante, donc il est au tout début. Bah attends, ici 11. Donc 13, 12, 11. Voilà, Mario Galaxy. Mario Galaxy, je ferai le 100% Jumpless. Bon, c'est pas une priorité, mais je le ferai. D'ailleurs, nous avons du coup Kung Fuin. Qui va avec son papa. Hop. Mais c'est pas pour tout de suite. Chaffreux, l'un de mes deux ou trois chaffreux. Ouais, j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Vraiment, au niveau des doublons, j'en ai eu beaucoup, beaucoup en double. Aucun Zeraora en plus. Tokedemaru ! Tokedemaru qui est cubique. Et Tokedemaru tout droit sorti de Minecraft. 36. Chansis, donc il est là. Il est derrière Mini Torgamer. Alors est-ce que je l'ai bien rangé? Évidemment que je l'ai bien rangé. Oh, Pandarbar, content d'avoir eu celui-là. Avec Angoliath, évidemment. Dun, 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 dun. 63. Faudrait peut-être que je range les cartes un peu. Bon, en vrai, je vais les sliver et celles qui sont au tout début, je les poserai direct. Alors, Tournicoton, est-ce que... Non, numéro 8, donc c'est bon. Putain, mais il faut encore que je tourne ça. Donc, numéro 8, tu vas là. Ah ouais, lui, il est rentré instantanément. Lupio, et je crois qu'on a vu tout à l'heure Lantern.
Alors, loop you. Donc, il va là. Hop. Ah ouais, mais Mario Galaxy, trop bien. Et du coup, ouais, un truc que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu la vidéo d'un tricheur. Je sais plus comment il s'appelle, le youtubeur. Je crois que c'est Akizone ou je sais rien. Il a fait une vidéo sur un tricheur Mario. Sur Mario 64 qui a triché les yeux bandés pour avoir plus de viewers. Est-ce que je ne ferais pas exactement la même chose? Mais en vrai de vrai, ouais. De base, le truc que je voulais faire, c'était pas le jumpless, c'était vraiment le yeux bandés. Mais voilà. Mais du coup, chaud. Chaud de fou, juste que ça prendra énormément de temps. Crabagger, je crois que c'est le premier que je drop, là. Enfin, je dis le premier que je drop. De fou. Ah, cailloux. Bon, les cailloux, pour le coup, c'est vraiment des cartes. On n'a rien à foutre. Ouais, elle a la toute fin, celle-là. Là, bah là, on a la 102e carte. Ah, Notice Me Senpai Vortante. Il va probablement en début. Numéro 5. Non, j'allais dire, je me pose une question. Est-ce que, là on le voit à la page, est-ce qu'il y a 9 de chaque type? Mais non, du coup, vu que là, bah, on dépasse avec le type plante. Numéro 5, le Notice Me Senpai. Et après, encore une fois, j'ai plusieurs Vortantes, donc on comparera pour voir quel est le meilleur. Même si bon, entre nous, hein, c'est des cartes random, donc j'en ai vraiment rien à foutre. Qu'elles soient meilleures ou non. Mon premier, la pyro. Mais non, mais putain, par contre, c'est une dinguerie, je n'arrive jamais à avoir la bonne sortie. La pyro qui est 17. Ah, il n'y a pas beaucoup de types feu. Hein. Parce que là, j'imagine les types feu, ils commencent là. Et là, ici, là, on est déjà sur du type eau. Donc il y a moins de 9 types feu. Mais il y a la famille de Malamandre et de Pyrobutte, quoi, et c'est tout, je pense. Donc 17, 14, 15, 16, 17. Ah bah oui. Eh ben je pense que le tout dernier, là, ici, là, ça doit être Boumata. Je pense que c'est Boumata. Hexadron. Hexadron, qui encore une fois est loin. Baudrive, Psy, 40. Je pense que je vais placer les 40. Hop. Alors, les 40, ils sont où? Ah bah oui, bah les 40. 36, 37, 38, 39. Attends, 37, 38, 39, 40. Et oui, bah voilà. Et vu qu'on y est, les 60, pourquoi on les poserait pas? Donc là, 42, 43, 44, 45, 46. Oula, attends, il y a un problème dans le compte. 36. Là, je devrais avoir les 45, normalement. 41, 42, 43, 44, 45. Il y a un problème. 37, 38, 39, 40. Et oui, l'avantage, c'est qu'on est censé avoir un multiple de 9, normalement. Donc attends, si on se dit, je pose Hexadron... Ça veut dire que là, on est à 45. Ici, on est à 54. Donc là, on est à 63, 62, 61, 60. Donc, vu qu'on y est, je vais en profiter pour poser ces deux-là. Donc, 60, 69, 60, 58, pardon. 58, 57. Et ben je crois qu'ils sont tous. Ouais, ils sont tous les deux là du coup. Mon petit Kung Fuin et mon Shao Fuin. Vous étiez contents d'avoir. Moi je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils passent très très bien. Non, Shao Fuin est beau. Et Shao Fuin a l'un des Shining que j'aime le plus. Ah bah là. Ah bah là, lui, c'est la fête, hein. J'en ai eu beaucoup. Je pense que c'est la carte que j'ai le plus eu.
64, bah du coup ça va être 69, 69, 63. 64. Attends, j'arrive pas à la mettre. Voilà. Moumouton, je sais pas si on l'a déjà vu. Oh, 86. Bon, lui, il est loin pour le coup. J'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Rhinocorne. Ah bah tiens, là, j'ai en Goliath. Rhinophéros. Excusez-moi, un peu de respect. Alors, donc les 51, donc 4, 3, 2, 1. Hop. Bah, en Goliath, du coup, on a vu, il va aller hop, ici. J'espère que la caméra, pour vous chez YouTube et même chez Twitch, évidemment, j'espère que c'est plutôt bien passé. Ça va pas trop gêner. Normalement, la caméra de capture, bon, évidemment, l'angle là, vu que je suis en train de styler et de ranger, il est pas fou. Mais je pense que pour l'ouverture, c'était bien. Alors, tout à l'heure, on a vu Gloop Team semble 62. Bah, il est juste. Ah non, il est pas là. Il est où? 62, c'est quoi? Attends, 63, je crois. 64, 63, 62, 61. Donc, il va être là. Putain, mais lui il rentre instantanément. Ok, bah ça y est, j'ai plus de place. Bah, attends, ça je vais le foutre là. Mais du coup, je vais ouvrir mon nouveau paquet des sleeves. Voilà, déjà les poser comme ça. Alors, Larvibulle. Alors, c'est là où je vais vérifier. Est-ce que j'avais déjà un Larvibulle ici? Alors déjà, j'ai Gloopty. Rhinophéros, ouais, qui est en double ici. Lilia qui est un plante. 45, là ici on a. Là on a Pandarbar, 63. Là on a Krabagar. Et après les autres, c'est des trucs qui sont vers la fin. Là on a du combat. Là on a que du combat. Donc pareil, ça nous intéresse à poser. Vas-y, je vais poser toutes celles-ci. Si j'arrive à les récupérer. Alors, on va déjà démarrer. Enfin, ça fait mal au dos vu que je m'avance un peu. Je peux pas profiter de mon dossier bien. Je vais voir si je peux pas mettre ma cam un peu plus comme ça. Alors, 42. Oula, 42, je connais ce chiffre, moi. Irland est en 42, du coup. Derrière, on a type ténèbre qui est ici. Et ben voilà, ça y est, on a la famille. Alors malheureusement, ma caméra, je viens de voir qu'en fait, elle ne filme pas du tout la page de gauche. Mais bon, voilà, pour montrer un petit peu. Voilà, on a la famille, on a les trois. Ouais, faudra que je cadre un peu plus comme ça, du coup, ça veut dire. Et là, on verra. Là, on voit toutes les pages. Derrière. Derrière, on a Ossature et Osslef. Donc le type combat, il est là. Alors, ils sont combien? 48 et 49. Donc 50 piles. Donc 50 piles, il est là. Donc là. Ici, déjà, on a Ossature. Là, j'ai aucune idée de quelle musique il s'agit, ça. Dans Mario Galaxy. Je crois que c'est une musique de lobby. Soit le lobby du grenier, soit peut-être de la cuisine, je sais pas. Mais c'est une musique de lobby, ça. De sélection de niveau. Nickel. Alors, Moumouton. Ouais, non, c'est pas Moumouton. Le prochain, c'est Krabagar, qui est 59. Ah oui, il y en a beaucoup des types combat, parce que ça démarre là et ça va jusque là. Ah, 59? Ah, c'est parce que... Ah, c'est parce que Crabominam, ils l'ont mis de type haut. Ils l'ont pas mis de type combat, c'est pour ça. Diancy, j'imagine qu'il va là. Même pas, 58. Putain. Je sais pas, c'est juste un fabuleux, je me disais. Je
Je me disais, peut-être qu'il a une bonne place, et il ne m'aime pas. Panderbar, Ténèbres. Il est 63. Eh oui, parce que sa sous-évolution est de type combat. Liliaio, tous les buts. Oh. Il est numéro 3. En vrai, c'est mieux de ranger par type. C'est bien mieux de ranger par type. Alors, Patachio, qui est numéro 45. Patachio 45. Donc, il est là. Et Briochien, il sera ici, du coup. Alors, peut-être pas la full art. Et 61 pour Gloopty. Voilà. Eh bien, écoutez, on va reprendre le slivage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Numéro 7. Bah, je l'ai déjà. Bon, écoute, vu que je l'ai déjà et qu'on s'en branle. Motisme avant, je crois que je l'ai déjà slivé, Motisme avant. Yes, je l'ai déjà slivé. Bah, du coup, je m'en fous, je m'en branle. Ah, bah, Pencham, il est là. Le mini, j'imagine qu'il se met entre Diancy et Shaofuin. 57. Tout à fait, il se met bien là. Ah, il est mignon, lui, je l'aime bien. J'aime bien celle-là. Il est mignon quand même, tu. Ouais, finalement, on aura dépassé les 2 heures avec le slivage. Hein. Bah, je referais peut-être ça, mais avec une collection qui m'intéresse. Je t'avoue que là, c'était vraiment la collection Terrapagos, où forcément, ça m'intéressait. Mais mis à part ça, je t'avoue que les collections Terra Crystal, elles me le faisaient pas plus que ça. Je trouve pas les cartes Terra belles. Les cartes Gigamax, oui, elles étaient belles, mais bon, après, le Gigamax, je pense qu'on n'est pas beaucoup à aimer ça. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça, et je n'en fais pas partie. Bah, du coup, Jolty qui va juste au milieu. Alors, je dis Jolty, hein, de temps en temps, il y a les noms en anglais qui me viennent en tête, parce que je suis trop un bilingue, moi. Non, mais tu dis, si ça se trouve, je vais mieux me souvenir des noms en anglais des Pokémon que des mots en anglais tout court. Alors, type feu, un petit Fambino. Fambino, il va là. Mes parents, ils sont pas couchés, ils étaient au restaurant. Je sais pas si j'aurai le temps de finir avant qu'ils aillent se coucher. Je vais leur montrer. Regardez, j'ai ouvert des cartes Pokémon. Non, mais trop content. Mais j'adore les cartes. Vraiment, je suis retombé en passion envers ça. Oh, je joue à mon petit Flambusard. Content d'avoir drop Flambusard avec mes 3 passes rouges, là. J'ai eu tellement de passes rouges. Un Flambusard, il m'a mis bien. Ah, là, je vois qu'il y a un autre Fourbelin que j'ai déjà. Ça, c'est un truc que j'ai dit, hein. Je me souviens plus. Je pense que si on doit comparer le pourcentage de tous les Pokémon qui existent et des membres de ma famille que je connais, je me souviens peut-être d'un meilleur pourcentage du nom. Enfin, pardon. Je vais me souvenir, le pourcentage des noms de Pokémon dont je me souviens sera plus élevé que le pourcentage des noms des gens de ma famille, je pense. Bah, du coup, Fourbelin, je l'ai déjà. Hexadron, pareil, je l'ai déjà classé. Enfin, je crois. Faut quand même que je vérifie avant d'aller trop vite, parce que Hexadron, je suis pas sûr. Ah ouais, il est là. Guerriland, lui, je crois pas l'avoir placé. Il est combien? Il est 42. Ah bah si, 42, on l'a déjà placé. Ah, Megapagos. Lui, il va au début. Il est 23. Donc, il est juste là. Hop. Voilà, je viens de voir, j'ai un autre Kelocroc que j'ai déjà, du coup. Hop. Je pense que ouais, si je vais en brocante pour voir s'il y a cette collection-là. Je m'en fous. Hein, si je pense que... Ah, mais attends, si, 100%. Si je vais en brocante, je verrai cette collection-là. Je pense que je la verrai, mais en japonaise. Et pas en français, parce que c'est trop tôt. Numéro 8. Je crois que j'ai déjà posé. Hein. Ouais. Oh, attends. Attends. Est-ce que c'est la carte ou les... Ah, ok, non. C'est la sleeve qui est dégueulasse, là. Parce que j'ai vu qu'il y avait des points noirs, mais non. Alors là, on a Brésillon, du coup. Ah, là, on a Bria. Je suis un peu deg de ne pas avoir eu d'autres cartes Bria. J'aurais bien aimé toutes les avoir. Je pense que, ouais, les cartes random, genre les baies et tout,
Rien à foutre, hein. Celle-là, je vais pas me faire chier à les chercher et à les payer. Sauf si elles valent 10 centimes, ce qui risque d'être le cas, et souvent les mecs ils te font des offres. Ou au pire, tu leur demandes, ouais, vous pouvez me faire une offre pour celle-là, parce que c'est des cartes random entre nous. Mais par contre, je pense que les membres du conseil, les cartes dresseurs, bah il me manque deux conseils 4. Je pense que j'essaierai de les avoir. Et au moins une carte Bria. Et évidemment, bah après, bah ma Zeraora et ma Pyro. Ma Lapyro, pardon. Il faudrait que j'essaye de voir un petit peu le prix pour voir si ça vaut le coup. Boumata, 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 il est combien? Il est numéro 15. Donc il est là, ouais. C'est comme je... Ah non, comme je le pensais, non. Je pensais qu'il serait en numéro 19. Mais non, il est même pas là. J'étais en train de me dire... Mais attends, je fais n'importe quoi. On verra après. On pourra compter toutes les cartes qui me manquent et voir si je dois mettre un budget, encore une fois. Mais je sais pas, ça pourrait être intéressant de voir quel est le prix nécessaire pour avoir toute une collection. Mais n'empêche, Banger qui est aucune énergie. Ça, je suis vraiment content. Tritox, qui est dans la même position que le pape, que la maman, du coup, parce que Malamandre, y a que des femelles. Tritox est condamné à rester un petit. Bon, évidemment, je le mets avec la maman. Mais ouais, de ranger par numéro, c'est tellement mieux. Parce qu'avant, ce que j'ai fait avec mes anciennes collections, vu que c'est plusieurs collections, je les ai rangées par type. Ce qui est pas plus mal, vu que là aussi, c'est rangé par type avec les numéros. Mais évidemment, c'est beaucoup plus simple. Alors, Délestin, c'est ce qui me semblait. J'en ai déjà posé un. Méditica, l'un des deux Méditica. Du coup, ce Méditica-là, on est d'accord que c'est une... Ouais, 111. Méditica, je crois pas. Ah, mais du coup, j'ai pas vu l'évo de Méditica. Je pense qu'il doit être par là. 53. Donc 51, 52, où on aura Rhinastock qui ira là. Et 53 qui ira là, du coup. Ah merde, attends, j'ai oublié de la sleeve. Le problème, c'est que je pense que mes pochettes sont assez sales. Donc on est bon, hein, 51, 52, 53. Chrysapil ! Ah ! Putain, je l'ai déjà. Je l'ai déjà posé. Moumouflon ! Ouais, je commence à avoir pas mal de types normales. Je vais peut-être commencer à les poser, les types normales. Derrière, on a un autre mini Grimalin, mais je crois que j'ai déjà complété la famille. Ouais. Ah, lui, je l'ai pas. Je l'ai pas posé encore. Petit Pagos, qui va aller ici. Putain, il tape 60. Putain, il tape fort, même Crabominable. Là, je vois 250. C'est énorme. Après, ça coûte cher, hein. Ça coûte 4 énergies normales. Vortante Notice-Me, c'est la 5, il me semble. Ouais, c'est ça, donc j'ai déjà. Lucanon, Lucanon qui va compléter la famille, du coup. Complète notre chère et tendre famille. Les types électriques, ils sont où? Je vais peut-être mettre un chapitrage sur la VOD, en mode opening, etc. Parce que je pense que les openings de cartes, c'est un truc qui intéresse un peu quand même. C'est un truc assez niche, mais je pense que ça peut intéresser. Donc je mettrai un chapitrage... Ah merde, attends, je me suis trompé. Je tac. Alors, il va où? Il va là. Et voilà, le sleevage. Le rangage. Ah putain, c'est vrai qu'il y a... Eh, mais du coup, là, c'est vrai. C'est vrai, les tics, je les avais oubliés. Une des holos que j'ai eues et dont j'étais très deg. Type acier, ça doit aller à la fin, ça. Ah, 67, non, c'est juste après le type acier. Le type dragon, j'imagine que c'est à la toute fin. Je sais même plus, j'ai qui en type dragon. Alors. Ah oui, bah c'est ça. Type acier, c'est pile après le type spectre. Spectre, ténèbres. Le type ténèbres a été ajouté. En même temps que le type acier dans la deuxième génération. Et du coup, les types spectre, ils ont l'énergie psy. Enfin, ils ont le type psy dans les cartes. Vu que le type spectre n'existe pas en format carte. Alors, 40. Et bah, nickel. Hop. Je me souvenais même pas que j'avais posé gros drive.
Ah, mais du coup, on a la famille. Putain, je me souviens plus des noms de eux, là. Il y a Melmetal. Et comment il s'appelle, l'autre? Et Petit Metal. Ah, Meltan. J'ai un doute si j'ai Meltan, mais on a Melmetal, donc c'est bien. Bah, du coup, Tipacier, donc il va à la fin. 71. Donc 67, 68, 69, 70, 71. Donc il est au milieu. Hop. Rhinocorne, qui je crois n'a pas été posé encore. Yes. Tiens, vu que j'y suis, je vais poser Rhinastock. Ouais, ouais, ouais. Web. Alors. Ah bah, vu que j'y suis, on va poser un peu tout. Le type normal, ça ira là. Le type feu, c'est au début. Tac. Type combat, ici. Voilà, comme ça, on va... On va poser toutes les cartes spéciales. Alors, faire attention, évidemment. Alors, Medcham, je dis de la merde parce qu'il va là. Crimi aussi. Alors, Pyrobut. Ah, attends, numéro 18. Ah oui, c'est parce que c'est la... C'est la ex basique, c'est pas l'alternative. Du coup, ouais, c'est bien la numéro 18. J'étais en mode, mais attends, comment ça se fait que cette carte, elle va avec les autres? Alors, derrière, j'ai Lushieng. Combien? 46. 46, donc. Bah, Ah, il est pas à côté de son bébé. Ah, ils ont dû se rater, là. Ouais, parce que 47, 46. Après, c'est une ex, donc à la limite, c'est pas plus mal qu'il soit séparé de son petit. Okay. Voilà. Bon, bah là, il y a cette carte-là qui va à la toute fin. Donc, tiens, clic, je vais la récupérer aussi. 47 pour Roc de Fer. 47, bah il va juste après. Hop. Ah bah c'est les deux derniers types psy, eux, du coup. Ch'tac. Avant d'aller voir Clic, voilà, là on a Rhinastock, qui était celui que je cherchais. Ouais, je suis quand même content de cette ouverture. Je pense que j'ai pas eu les meilleurs trucs non plus, mais bon. Bah, en vrai, si je dois faire grader des cartes, je ferai grader mon Filali et mon Jirali. Parce que les cartes, elles valent mini 50 euros non gradées, donc je pense qu'elles dépassent la centaine si elles sont gradées 9. Au moins. Minimum 9, je pense que ouais, tu peux faire un petit x2. Et le Terrapagos, oui, il vaut carrément le coup, parce que tu fais un x3 à sa valeur. Mais bon, après, faut le faire. Donc, Coxyclac, c'est le numéro 2. Donc, ça veut dire Coxy, c'est le numéro 1. Ok. Un giga random, mais bon, faut bien commencer par un type plante, ça veut dire. Et après, du coup, on a deux types acier. Donc, on a Clitic-Clic et Fer de Terre X. Qui sont 69 et 74. Donc, 69. Il va aller ici. J'entends plus mes parents, donc j'imagine ils sont couchés. 73, c'est un multiple de 9. Je crois que je me suis trompé. Ah non, bah non, ben non, bien 63 ici. 72. Ah non, là c'est 72, c'est pas 73. Attends, 64, c'est un multiple de 9 ou pas? Non, c'est 63. Donc là, 71, 72, 73, 74. Ouais, histoire de ne pas me tromper quand même, parce que sinon il faudra que je décale tout. Et après, bah, les autres, bah, c'est des types normales. En vrai, je pense que je vais commencer à... Ah bah écoute, parfait, parce que Irfoot, c'est la numéro 75. Je vais commencer à placer les types normales, je pense. Parce que les types normales, ils sont tous ici. Là, j'en ai quelques-uns. Je vais les prendre. Alors, vu qu'ils sont dans les 70 et quelques... Ouais, je pense que des types dragons, doit y en avoir un ou deux, quoi. Ah bah l'autre ça doit être Pomme d'Orochi. La 76 ça doit être Pomme d'Orochi. Bah. Ah bah non du coup. Vu que là 77 c'est Noirfang, donc l'autre c'est l'autre. 79 le Chaffreux, donc 18-19.
Moumouflon 87. Oh, flemme. On le fera après. 83 ici. Alors 80, 81, 82, 83. 80, 83. Moi, je sens que si je devais déménager dans le sud, je prendrais l'accent du sud. Parce que je le fais pour rigoler sans faire exprès de temps en temps. 84, 85, 86, 87. 87, oh, le bon mouflon, oh. De la bonne viande. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres à classer dans le tas, là? Ouais, je pense que je vais commencer à tous les mettre. Parce que là, en vrai... Allez. Vas-y, on va tout, on va tous les poser. Là, ça y est, je commence à taper dans les 90. Bon, pour le coup, bon, là, 100, d'accord, tu vois. 93. Alors là, on était à combien? Donc, 8, 9, 90, 91, 12, 13. Donc, toi, tu vas là. Ah, j'aurais dépassé les 2 heures. Hein. Et le temps que je termine, je pense que je vais bien atteindre les 2 heures et demie facilement. Motismavol, 80, 80, 80. Juste après Chaffreux. Tac. Rhino Féroce, pardon. Hop, je la retire de sa sleeve vu que je l'ai déjà. La Trumpette, 89. Donc 88, 89. Donc il est au milieu. Ouais, il y a beaucoup de cartes random quand même. Après, si ça se trouve, en stratégie, c'est fort. Hop, le mini Noirfang, il va ici. Ah, la famille est réunie. Briard, c'est la numéro 100, du coup, je la mets à la fin. Brésillon et Flambusard. Bah, je crois que j'ai déjà posé... Ouais. J'ai déjà posé le papa, enfin le bébé, pardon. Donc il ne manque plus qu'à poser le grand frère et la maman. Ah, voilà. Alors, le fruit, 92. On sait bien, il me restera des pages au cas où pour d'autres trucs. À la toute fin. Petit mouton. Ouais, ça, c'est la numéro 102. On la fera après. Là, j'ai la 95 et la 86. Bon, attends, 95, vu que j'y suis, je vais la poser. Ah merde, ah oui là je suis à la moitié. Donc 94, 95 du coup. Putain, c'est pas pratique dans ce sens. 94, 95, petit mouton. Petit mouton, il va là. Très mignon le mou mouton. Chaffreux, 79, c'est ce qui me semblait. Je l'ai déjà posé. Hop, dans les doublons. Et on va compter les doublons après, hein, du coup, sur mes 150 cartes. Et là, 91, le fossile de Petit Pagos. Qui va là. Donc j'imagine que la 90, ça doit être le fossile de Lilia. J'aurais bien aimé du Arkeapti au lieu de la famille de Mega Pagos. Écoutez, après, bah du coup, on a que des fins. Là, on a que les dernières. On a juste la Terra Pagos 88 que je peux poster. Qui est juste avant la trompette. Il est là. Ah ouais, la carte, elle est vraiment un peu pliée. Donc voilà. J'essaye de vous le montrer. Il est là. Voilà. Petit Terra Pagos X. En vrai, j'ai eu deux Terra Pagos. Hein. Et j'ai même eu l'arène de Terra Pagos. En numéro 102. Donc c'est cool. Bah écoutez, on va continuer. Alors, Pomme d'Amour, je sais pas si je l'ai déjà posé celui-là, je crois pas. Si. Donc, il va aller dans les doublons. Derrière, on a Chaglam. Je pense qu'il faudrait que je fasse pour une prochaine fois que je fais ça. C'est les multiples de 9. Tous les garder de côté pour pouvoir les ranger rapidement. Alors, Chaffreux, il est là. Donc, 78. Blanc coton, je l'ai pas encore eu. Alors,
Il est combien? Numéro 9. Tiens, le numéro 9, quoi Et qui vole un mange, un bœuf, vole un œuf. C'est pas ça du tout. Là, on a un dresser. On a le champion d'arène de la... Combien? L'arène O, c'est quoi? C'est la troisième? La cinquième? Je sais plus. 99. Bon, vu qu'il est à la fin, pareil, je le ferai après. Ah, Ramolos. Enfin, une que j'ai pas posée. Numéro 38. Donc, ok. Et donc, il y a Rwagada, il n'y a pas Flaga. Il y a Ramolos en 38 ici. Osley, je crois que je l'ai déjà posé. Ouais, il est là. Click. Type acier qui est avant le type normal. C'est con ça d'ailleurs, pourquoi le type normal, il est après l'acier et le ténèbre? Hmm. 68 du coup. Ah putain. Charmy, je suis sûr de ne pas l'avoir posé. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. J'ai pas eu d'autres Charmy. Alors 44. Okay. Alors que des Creamy. Je crois que j'ai eu deux Creamy et j'ai eu bah, le Creamy Full Art. Hop. Vasilis, pareil, je crois que je l'ai pas posé encore. Yes. En effet. Et Coxy, le premier du coup. Je pense que j'ai sorti plus de sleeves que nécessaire. Coxy, j'en ai eu un seul, je crois, finalement. Merde. Il fallait bien que ça arrive à un moment. Combien de batterie a mon tel ? Oh putain, 38%. Et même mon Mac, il a pas tant rechargé que ça au final. Hein. Hop. Je vais brancher mon tel quand même parce que c'est chaud. Vu que c'est tous les deux des ports USB-C. Gloopty, je crois, je l'ai déjà posé. Yes. Kongfuin aussi. Voilà, je vais commencer à taper les doubles. Je pense que je vais récupérer les cartes. Voilà. Je vais me les foutre là. Alors, 39. Dun 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 dun. Voilà, la petite musique de Mario Galaxy. Mais c'est vrai, en vrai, les meilleures musiques de fond, c'est pas du Pokélofi, c'est des musiques de Mario Galaxy. Derrière, on a la fille du mec de Porioneuve. 98, donc vu qu'elle est à la fin. Et donc oui, c'est bien ce qui me semblait, j'ai bien Mentan. J'avais eu un doute, mais il me semblait l'avoir vu à un moment. Donc Mentan, c'est confirmado, je l'ai bien. Là, je vois que le prochain, c'est Electek, donc je l'ai déjà. Là, il y a Creamy. Vu que je suis sur la page de Creamy, je vais le poser. On le voit pas avec la caméra. Ma caméra, elle est vraiment sur l'évolution de Creamy. Donc il va là. Emelton. Il devrait aller ici. Yes. Derrière Panda Bar. Panda Bar. Oh putain, Frison. Frison, j'en ai eu deux, je crois. 81. Alors, 81. Ouais, juste après Mortisma. Electek, je l'ai déjà. La Pyro. Je crois que j'ai déjà posé la famille de Pyrobut. Yes. Petit Brésillon aussi. Je crois que j'ai déjà posé sa famille. Yes. Loupio, quasi sûr que non, par contre. Mais j'ai dit de la merde. Ah, Boreas. Putain, je l'avais oublié celui-là aussi. Il est quoi, 82, j'imagine, ouais. Content d'avoir eu Boreas quand même. Bon, après, c'est des légendaires, tu vois. C'est pas des légendaires que j'aime trop. Mais par contre, j'avais vu Reshiram, mais au final, non. J'avais cru voir Reshiram.
Et a priori, non, il n'y a pas Réchiram. Ah, Verpom. Verpom, lui, je l'ai pas posé encore. Et bah, je crois que j'ai eu qu'un Verpom. Et là, c'est Mini Lilia. C'est Lilia Fossile qui, j'imagine, va en 90. Ch'tac. Et Verpom qui va aller au tout début. Ah, on a les 9 premières. La numéro 10. Ah, bah, il doit me manquer un pomme d'Orochi. En... Ouais. La 12, ça doit être une pomme d'Orochi ex. Et pomme d'Orochi, je crois, il a 3 cartes. Je crois, il a 3 versions. Il a la ex, la full art et l'alternative. Mais que j'ai pas. Ouais, j'ai pas eu. Ah si, la seule alternative. Non, j'ai pas eu. Si, la seule. Ah bah non. Non, j'ai pas eu l'alternative. J'ai eu la. Non, j'ai eu que des full art. J'ai pas eu d'alternative. Ouais, parce que les cartes, elles vont jusqu'à 133. Hein. Ah, quoique si, la Terrapagos. Ah ouais, non, j'ai noté Terrapagos 122. Ouais, bon. Krabagar. Krabagar, je crois que je l'ai déjà posé. Yes. Ossatueur. Ossatueur, je l'ai déjà posé. Oh, caillou! Caillou 95. Je crois que j'ai déjà posé le caillou. Yes. Patachio, je l'ai posé. Lilia. Ouais, il est au début, je l'ai posé. Août, août 76. Je crois que je l'ai posé en août, août. Yes, il est là. Pandarbar, je l'ai posé. Il est juste là. Oh, c'est vrai que je l'avais oublié. Du coup, j'ai pas eu Pondralugon qui faisait partie des Poké que je voulais exactement. Pardon. À cause de mon let's play, évidemment. C'est pour ça que je le veux, c'est parce que je me suis attaché à ce Pokémon-là alors qu'il n'est pas très très beau. 72, donc ça veut dire la carte 73, c'est Pondralugon. La Pondralugon, typiquement le genre de carte que j'aimerais choper. Encore une fois, si je vais en brocante, etc. Medchan, Medidika. Yes, il est là. Bah du coup j'ai pas eu Charmina. Charmina qui a une version X. Kellocroc, je crois que je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà posé. Yes. J'ai pas eu Torgamor. Ah, Togedemaru. Togedemaru, je l'ai déjà posé. Petit Joltik aussi. Du coup j'ai pas eu Megavolt. Motismavant, je crois, ouais, je l'ai déjà déposé. Guerriland, je l'ai déjà posé. Crabominable, on l'a vu. Je sais pas où il est, mais je me souviens l'avoir posé. Il est là. Ah, lui. Triste pas. Je ne sais même plus comment il s'appelle, celui-là. Bon, lui, pareil, hein, je le poserai à la fin avec les derniers. Larvibule, qui est combien? Numéro 7, donc c'est bon, il a été posé. Le fossile de Monsieur Pagos, il a déjà été posé. Hexadron, j'en ai tellement. Tritox, je l'ai... Ah non, ça c'est Malamandre, je l'ai déjà posé. Fourbelin, je l'ai déjà posé. Et les câbles, j'ai un doute, mais je crois que je l'ai posé. Yes. Lui, là. Lui, là, bah oui. Il est là. Shaglam. Ah, Shaglam, je sais que j'en ai eu plusieurs... Attends, je vais quand même vérifier parce que si ça se trouve, je l'ai déjà posé. Ah oui, c'est juste, je m'en souvenais pas. La trompette, elle est là. Flambino. Flambino, je crois que je l'ai déjà posé aussi. Ouais. Rhinocorne, je l'ai posé. Out, out, je l'ai posé. Patachio, je l'ai posé. Tiansi, je l'ai posé. Tic, je vais vérifier, mais je suis sûr à 90%. Et Moumouton, je l'ai aussi posé normalement. Voilà. Oh putain, j'ai un gros paquet. Je vais vous montrer tous mes doublons. J'en ai vraiment beaucoup en vrai. J'ai tout ça de doublons. Et en vrai de vrai, tu fous ça. Tu dis à 5 euros, c'est des doublons. Des doublons que j'ai, il n'y a pas trop de cartes rares, il y en a quelques-unes. Bah du coup, je vais poser les dernières du classement. Alors déjà là,
On a la 97, donc 95, 96, 97. Hop. Derrière, on a la 98 qui, j'imagine, se met là. Là, on a la 99. Ah, mais attends, mais il n'y a pas les membres de la ligue, en fait. Je croyais, mais non. Attends, là, il y a une espèce de truc dégueulasse. Oh, hello. J'en étais où? 97, 98, 99. Bah la 96, je sais pas ce que c'est. Parce qu'elle est pas là. Ouais, bah du coup, je pense qu'il n'y a pas les autres. Je pense qu'il y a que ces deux-là en... Bon, là, on le voit pas. Je pense qu'il y a que elle, et il y a que lui en conseil 4 dans cette version. La numéro 100. Shtak, c'est Bria. On va dire Bria et pas Briard, hein, parce que je suis vraiment pas sûr. Je crois que c'est Bria, et son grand-père, c'est Briard. Derrière, on a la 101 et la 102, et je suis vraiment deck pour la 101, en vrai, parce que... Je pense que c'est une carte qui est un peu rare, celle-là, quand même. Mais elle est giga random. C'est une carte Ace. Ah! U, ça veut dire Unordinary, j'imagine. Ace, ça veut dire que c'est vraiment des grosses cartes rares. Donc ça, c'est une carte commune, la 102. C, c'est Common. Ah, donc c'est Common, Unordinary. Est-ce qu'il y a quelque chose entre? Je crois pas. RR. Ah, là, on a du R pour rare. Donc les Holos, c'est des rares. Les X, c'est des RR. Donc j'imagine Really Rare, un truc comme ça. Et j'imagine qu'au-dessus, on a les AR. Qui doivent être Absolutely Rare. Et après, on a les SR super rares, qui sont bah, les méga méga rares. Bah, du coup, mon méga Pagos, mon Terra Pagos est une SR, et mes trois autres full art sont des AR. Bah, écoutez, il me manque plus que ces quatre cartes-là à poser, du coup. Mais je pense que je vais juste les poser à la suite, vu que je pense pas que je vais acheter d'autres cartes très rares. Donc, je vais au moins les mettre dans l'ordre. Donc, d'abord, on a Krimi. Derrière, on a mes Didika. Écoutez, bah, encore une fois, si je vais en brocante, j'essaierai de choper mon Lapiro et mon Zeraora. Derrière, on a notre magnifique Noirfang. Bah, tu vois, si je dois faire grader des cartes, ça va être celle-ci. Hop. Et bah, nickel. Bah, écoutez, je vais compter mes doublons. Mais j'en ai pas mal, hein, pour le coup. Je vais essayer de ranger mes sleeves également pour éviter que ça se balade. Après, ça va être compliqué. Ouais, faut que je les range comme ça dans ce sens. Ah, ça, c'est la musique du choix des. Du choix de compte. Allez! Let's go! J'ai réussi! Eh ben nickel. Le petit paquet, je vais le garder parce que des paquets en plastique comme ça, ça peut être utile. Ah oui, mais il m'en reste 20 000 des Steve, il m'en reste encore 5 des paquets. Oh, bah, c'est bon, je croyais que j'en avais plus. Bon, ça n'empêche que mes doublons, je vais pas les sliver. Bah écoutez, on va déjà regarder j'en ai combien de manquantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. C'est clean en vrai, attends, il m'en manque que dalle. Attends, il m'en manque vraiment peu. Je vais noter sur un bloc-notes pour voir ce qui me manque. Putain, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Ouais, en vrai, d'en avoir 9 pour les choper, bon, sachant qu'il y a des ex dans le tas, je pense que pour 5 balles, je peux avoir ce qui me manque. Donc tu dis pour 45 euros, si on se dit j'investis 5 balles pour avoir celle qui manque, quoique je pense que les ex, on va au moins monter à 10 balles, si on compte les ex et celles qui manquent.
Mais je pense que ouais, pour... Donc ça veut dire pour 50 balles, j'aurais chopé une collection entière. Évidemment, il me manque les cartes très très rares derrière. Du coup, les 9 premières, on les a bien. Derrière, il me manque la 12 avec Pomme d'Orochi. Ok, là on a tout. La 19. J'imagine que c'est peut-être la classe. Sauf si... Ah non, là j'ai une autre type O. Mais je pense que les ex, c'est les dernières à chaque fois. Ah bah il me manque 26. Très probablement Torgamor. Je crois est dans le jeu. Est dans cette collection. 33, bon bah là c'est un Megavolt X, donc je pense qu'il va coûter cher. Megavolt X, lui c'est sûr. Ouais, la 19 ça doit être Locklass. C'est 100% Locklass la 19. Ok. Donc la 33 c'est Megavolt. La 37, j'en ai aucune idée. Parce que je sais pas si c'est un type électrique ou un type psy. La 54, c'est Charmina X. Ouais, ça fait déjà 3 X hein, quand même. Hein. Et les X, je pense qu'elles valent au moins 3 balles chacune. Après, tu vois, il nous fait un lot. Tu vois. 73. 73, bah, c'est Pondra Lugon. Pondra Lugon. Et lui n'est pas en ex. La 73 n'est pas une ex, il me semble. Je crois que les ex de Pondra Lugon, c'est les alternatives. Non, je crois qu'il a pas de... Non, je crois qu'il a juste une alternative. Donc, qui est supérieure au 102. Mais putain, mais il m'en manque vraiment pas beaucoup. Je suis content. 94 et 96. Et après, j'ai bien les dernières. 97, 98, 99, 100, 101, 102. Et ben voilà. Bah du coup, je vais regarder Miracle Stellar. Bon, alors. Déjà, je vais fermer ça. Je vais le foutre de côté. La caméra. Bon, je me permets, hein. La caméra, je vais la remettre comme d'habitude. Je vais regarder sur Internet. Là, je remette mon setup habituel. Ah oui, il faudrait que je replace mon écran. Écoutez, je vais ranger maintenant mon classeur. Des effets. Bah, faudrait que je me rachète des pages. Parce que j'en ai... Après, je sais pas hein, tous les combien de temps sortent les collections. Je t'avoue encore une fois que là, c'était assez exceptionnel. C'était Terrapagos quand même. Donc, je pense pas que je le ferai à chaque fois. Mais du coup, je suppose que je vais. C'est pratique la boîte. Attends, ah mais si ça rentre. Putain, et du coup regarde, hop. Oh, parfait. Ah nickel. Hop. Hop, clair. Ah mais c'est pratique. En vrai, je trouve que ce format est très bien. Parce que t'as presque toutes les cartes. Eh ben écoutez. Moi je vais couper. Comment ma caméra je la remets. Comment je la remets bien ma caméra. Heureusement que le bras il est bien mobile. Hop. Bon je vais laisser la lumière hein, vu qu'habituellement je stream dans le noir. Et là on va laisser. Je remets mon tapis de souris. Voilà. Non, ça fait bizarre que mon tapis de souris soit... est rebougé. Ah oui, du coup, faut que je me mette là. Non, ça fait bizarre. Bon, bah, faudra que je remette mon écran bien, du coup. Tac. Mon téléphone. Il va là. Putain, mon téléphone, il est chaud. Hop. Vas-y, je le rebranche. Voilà. Eh ben, nickel. Bah, ça s'est bien passé. Ça, c'est bien passé. Alors, qu'est-ce qui me manque bah, du coup, je vais me faire une petite liste manquante. Bah, du coup, j'ai même pas bu d'eau. Alors, les manquantes, du coup.
Stellar Miracle. Alors, est-ce qu'on peut toutes les voir? Yes. Bah, du coup, je vais garder le lien. Stellar. Donc, c'est vraiment Miracle Stellaire, en fait, le nom de la série. Miracle Stellaire. Alors. Derrière, parmi mes manquantes. Tac. Du coup, il me manque la 12. Bah, attendez, je vais vous faire un partage d'écran. Hop. Tac. Alors, donc on est là. Alors, est-ce que je peux zoomer? Ok, nickel, on les verra mieux comme ça. Alors, donc il me manque là. Numéro 12, voilà, qui est Pomme d'Orochi. X. Ah oui, putain, il me manque 4 X du coup. Derrière, il me manque la 19, qui est selon moi Loclass, tout à fait. Donc c'est bien Loclass X qui me manque. Derrière, Torgamor, c'est ça. La 33, Megavolt X, tout à fait, encore une X. La 37, c'est qui? Ah bah c'est Zera. C'est Zera, tout simplement. La 54, Charmina X, c'est bien ça. La 73, Tondra Lugon, du coup. Yes. Et après, 94 et 96, où là, j'en ai aucune idée. Ah, c'est ces deux-là. Ouais. Ah, et c'est des rares au même titre que ça. Oh putain, ça veut dire que je pouvais tomber sur des merdes, là. Oh. Putain, je suis content de pas les avoir eues. Je suis content d'en avoir eu qu'une seule, hein. Après, j'imagine c'est des rares, mais en vrai, ça fait chier, quoi. C'est même pas des cartes dresseurs. Bah, j'ai aucune idée. Je vais l'appeler Cristal. Et là, je vais l'appeler la bombe. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et alors, qu'est-ce qui me manque derrière? Waouh. Putain, il y en a des cool. Et voilà. Voilà la crabe abominable que je trouvais à chier, que j'aurais été dégoûté d'avoir. Voilà la Zera Aura que je voulais avoir et que j'ai pas eu malheureusement. Voilà, je la trouve trop stylée. Donc la Pyro, je la trouve géniale et la Zera Aura, voilà. Donc c'était deux des cartes giga prioritaires avec le Noir Fang que j'ai eu. Et du coup, celle-ci de Terrapagos. Ok, donc ouais, non, il y avait bien que deux champions de Ligue. Et voilà, du coup, les autres que j'aurais bien aimé avoir. Celle-là de Briard, celle-là de Pomme d'Orochi, ou celle-là de Briard aussi qui est cool. Et après, les dernières, bah, c'est les cartes gold. Avec le Terrapagos goldé et l'autre Terrapagos que j'ai eu du coup. Donc ça n'empêche que ça reste bien quand même. J'ai eu de la chance. Bah écoutez, je vais quand même noter les cartes que j'ai pas, même si bon... Voilà quoi. Si je peux les avoir pour pas très cher, celle-là, à la limite, ok. Bah du coup, 103 à 105. Derrière. Attends. 3, 4, 5. Bah 6, 7, 8, 9. Donc c'est 103 à 109. Là, c'est la 110. Là, 111. Donc après, 12, 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Donc 115 à 121. Et après, toutes les dernières. Donc 121, 122, 123. Jusqu'à la toute fin. Ah mais attends, c'est laquelle que j'ai de Terrapagos? Attends, j'ai celle-là ou celle-là de Terrapagos? Merde, je croyais que j'avais celle-là, mais non, en fait, j'ai celle-ci. Attends, j'ai drop laquelle? Oh merde, je croyais que j'avais drop le bon Terrapagos, mais non. Je crois que j'ai pas drop le bon. J'ai pas drop le 130. Je crois que j'ai drop le 120 quelque chose. Ah merde, j'ai drop le 122, c'est pas celui que je pensais. Ah putain, j'ai eu les deux moins bons Terrapagos, ça veut dire. Ah dommage. Donc ça veut dire bah, qu'il me manque toutes celles-là après. Donc 123 jusqu'à... C'est quoi, c'est 135?
Ah oui, je peux les voir comme ça. Ouais, elles sont belles, hein. Ah putain, j'étais persuadé que j'avais celle-là. Dommage. Misère de misère. Eh ben tant pis. Je vais noter des manquantes prioritaires. Bah du coup, les prioritaires que je veux absolument... Bah en vrai, ça va être... Bah il y en a que deux en soi que je veux absolument. Ça va être Zeraora et Pyro du coup. Donc Pyro 106. 106 la Pyro. Alternative. Et Zera qui est la 109. Zeraora alternative. Voilà. Bah du coup, les cartes que je veux, je vais les retirer. Stock l'abricot. Vas-y, les cartes manquantes, je vais les mettre tout en haut de ma petite liste. Et ben voilà. Et ben écoutez... Ce fut un petit stream fort intéressant. Bon, malheureusement... Bon, en vrai, je suis un peu deg, parce que du coup, j'ai pas eu le bon Terrapagos. J'en ai eu deux, c'est bien, mais j'ai eu les deux moins bons. Si j'étais tombé sur le... Oh, putain, si j'étais tombé sur le dernier... Attends, c'est quoi? C'est le 135? Ah merde, j'ai pas gardé le lien, du coup. Attends, est-ce que je voulais récupérer le lien au cas où pour voir les cartes. Attends, tac. Voilà. Alors, si j'avais eu le... Donc c'est le 133. Terrapagos 133. 18 euros. 18... Non, 20 euros non gradé. Alors si tu la grades, paf! À grader là, elle monte. Là déjà sans être gradée, elle peut monter jusqu'à 40 euros. 10 sur 10. Je sais pas si on prend une 10. Ah, là, il n'y a pas. Putain, 38 euros. Mmh. Putain, si je veux acheter la carte, là, je peux l'acheter pour 38 balles. Et après, les autres que je veux... Ah! Ah, la 130! La 130 est plus rare, a priori. Et elle est à 100 balles. Et alors... Putain, 32 euros le mégavol, sérieusement? Et alors, moi, je veux la Lapiro. Si je veux la Lapiro, c'est combien? Numéro combien? 106. 5 euros. 3 euros. 5 euros. 3 euros. 2 euros. Ok, donc. Ouais, c'est la version japonaise. Donc, celle-là, si je la trouve concrètement, je peux faire en sorte de la choper pour 2 balles. Mais ouais, c'est vraiment les deux que je veux. Je te dirais, je vais essayer de compléter toutes mes manquantes. Toutes les manquantes pour avoir les 102 cartes. Et après, bah, c'est les deux alternatives que je veux le plus. Et le Zeraora 109, il coûte combien? Zeraora numéro 109. Stellar Miracle, pour voir un petit peu combien il vaut. Il vaut entre 3 et 4 euros, j'ai l'impression. Ouais, les gens la vendent max à... Bon, ça monte à 5 euros. Ouais, ça va. Je pense que toutes les cartes qu'il me manque, plus... Ouais, quand même. Les deux alternatives que je veux, et les cartes manquantes que je veux, qui contiennent 4 X, je pense que pour 20 balles, si quelqu'un les a, je pourrais les avoir. Bah écoutez, je vais regarder les brocantes de ce week-end pour voir s'il y en a une qui est... S'il y en a une, tout simplement. Et je pense que je vais essayer de compléter ma série sur ça. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, c'est une fin de stream. Très content. Très, très sympa. Moi, j'aime bien les ouvertures de cartes. Ça fait assez longtemps que j'en ai fait. Bah, la dernière fois que j'ai fait, entre guillemets, une ouverture, finalement,
ça a été quand j'ai ressorti toutes mes cartes que j'ai depuis que je suis petit et que j'ai sleeve 100% de ces cartes. D'ailleurs, j'ai encore tous les packs. Ah bah tiens, bah d'ailleurs, vu que là, mon placard, là, il sert à rien, je pense que je vais récupérer mes cartes sleevées, je vais les foutre là-dedans. Je vais les foutre dans mon placard. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais faire ça vraiment juste après. Eh bah, j'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, c'est une fin de stream. Mercredi, demain, donc Animal Crossing, voilà, vous connaissez. Jeudi, je ne pense pas stream, sauf si j'ai envie de faire du Genshin, mais je ne pense pas. Je pense que je ferai plutôt du montage. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se dit, bien évidemment, à la prochaine, pour un prochain streaming. Allez, bonne nuit.